I need to hold on to be here. Blue shining tears in the atmosphere. I'm staying alive through a lot I have to fear. We are breaking these walls to come and disappear. I'm staying alive through a lot I have to fear. We are breaking these walls to come and disappear. Et bonsoir et bienvenue à tous et à toutes sur le stream d'Iron Iridium en cette soirée du 22 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. Je vois déjà que vous êtes déjà là. Déjà, et ça fait plaisir. Salut Dapan, le live vient juste de commencer. C'est bon, reste là, c'est bon. Ne repars pas, reste ici. Fais-toi plaisir. Merci en tout cas à toi d'être là. Et salut à toi. Aussi Spizik qui est déjà connecté, qui est déjà prêt. Nos VIP sont déjà ici dans la place. J'espère que d'autres personnes viendront, pourquoi pas, pour s'amuser ce soir ensemble. Mais juste avant de s'amuser, petit changement de scène s'impose maintenant. Et voilà, petit changement de scène. Ça y est, allez, on est en direct, on est en live. Bienvenue sur la chaîne d'Iron Iridium. Profitez d'ailleurs de cet overlay qui est juste au-dessus, qui est là même ici sur les côtés, car bien sûr ça changera dans quelques jours après Noël. Cet overlay changera, nous repartirons avec un autre overlay pour la fin 2020 et même 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez. Dernier follow qui a été fait d'ailleurs au dernier stream d'Apan374. Bon, salut à toi Dapan. un double salut pour Dapan. Et ce soir, alors, plusieurs choses à vous dire. Donc demain, on va commencer par la mauvaise nouvelle, comme ça c'est fait. Demain, pas de stream au soir en tout cas. Enfin, il n'y aura pas de stream de toute façon dans toute la journée, je serai pas là. Donc, bonne nouvelle pour vous, ce soir, il n'y aura pas un, mais deux tours de roue quand vous pourrez actionner cette roue. Ça sera plus tard un petit peu dans la soirée. Voilà, ça déjà, cette nouvelle, elle est donnée, elle est faite. Donc, bonne nouvelle pour vous, deux tours de roue au lieu de une ce soir. Et n'oubliez pas, bien sûr, de verser vos points aussi. Ah, j'aime vous estorquer de l'argent. J'aime ça. Grâce à Spicy qui continue à mettre plein de points dans ce défi qui reste 25 jours encore. Je mange un paquet de chips ultra piquants. Top chrono, moins de 30 jours pour réussir ce défi. Donner 80 000 iron points et je mange un paquet de chips ultra piquants en live.
Voilà, je sens que ce live va pitcher, ça c'est le cas de le dire. Ça sera d'ici en tout cas quelques jours je pense, parce qu'on est déjà 31% collectés grâce à vous tous et en moins de 5 jours. Enfin, 6 jours. Donc je pense qu'on va vite y arriver, je pense que je vais bien finir à la fin de l'année avec vous. Voilà, tout ça c'est dit. On va faire un petit tour, tiens d'ailleurs, juste après sur le... sur Epic Game, pour savoir quel est le jeu gratuit d'aujourd'hui. Je vais vous le dire, en tout cas, si vous le connaissez pas, voilà, on va voir tout ça en direct. Alors, regardons quel est du coup... Quel est du coup... ce jeu qui est offert aujourd'hui avec Epic. Alors, Opéra. Eh ben, c'est Metro 2033 Redux qui est disponible, qui est gratuit aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez un petit compte Epic, Epic Game, allez faire un tour, prenez-le, c'est gratos. Le jeu change à 17h tous les jours, donc n'hésitez pas, prenez 2-3 minutes maintenant s'il faut pour aller faire un tour, pour aller chercher ce jeu Metro 2033. Et Dapan qui nous dit, je suis quoi avec deux comptes en même temps, car sur tel je cherche pas le 720p, donc j'ai bien audio, et sur le PC je cherche le 720, mais je mets mon casque cassé, donc j'ai deux comptes en même temps. Bah écoute, pas de soucis, écoute, ça fera un petit viewer de plus, ça me fait plaisir, voilà. Merci Dapan en tout cas. Et Spicy, mais pourquoi tu peux pas faire tourner la roue? On va y revenir dans quelques instants, ne t'inquiète pas Spicy, on va pouvoir faire tourner la roue, mais ça sera pas tout de suite. Avant, nous allons direction le Discord avec Natago qui est là. Yo Natago. Comment ça va? Ça va et toi? Mais ça va très bien, monsieur. Alors, une bonne journée qui s'est passée aujourd'hui? Ouais, alors, attends, parce que... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais déplacer le loup de No Man's Sky à... Ah oui, oui, attends, parce que du coup, oui, c'est vrai qu'on peut être que deux pour l'instant. Hop, on peut être trois. C'est bon, loup peut venir si tu veux. C'est bon. Loup peut venir, il n'y a pas de souci. Voilà, tu peux te déplacer. Voilà. Je peux pas te déplacer. Voilà, tu peux te déplacer. Voilà, toi, tu peux te déplacer avec tes petites jambes. Ouais, voilà. Elle est mute, mais du coup, on l'entend via mon. Ah oui, mais moi, je vais m'entendre deux fois. Oh, c'est pas grave, t'inquiète. Un retour, mais. Ça devrait mais... aller. Au pire, tu coupes le micro, Nat, au pire, pendant un petit moment, et ça devrait pas bien se passer, je pense. Ouais. Alors Spicey, tu restes, bah oui tu restes pourtant, mais t'inquiète pas, tu peux rester, on fera tourner la roue deux fois aujourd'hui, c'est pas activé pour le moment, je vous expliquerai pourquoi et comment faire tourner la roue deux fois ce soir. Vous allez voir, Iron y a réfléchi durant toute la soirée pour vous dire, il n'y a pas dormi exprès pour ça, allez voir, c'est un truc de fou. Alors Nat, sinon ta petite journée comme ça, vas-y fais-nous rêver, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Ouf. J'ai bu un verre. Entrepreneur quoi. Vie d'entrepreneur quoi. Vraiment grosse journée à base de canapé, de course. Ouais mais t'es inversé ouais. De quoi tu te plains toi? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bien parce que moi du coup je les vois en direct, hein, je vous le dis. Elle fait une bataille navale ouais. Il va mettre à 350 points au pire. Et non, Dapan, absolument pas. Vous allez voir. Ah, je suis content. Il y a que Tatan qui le sait. Tatan, attention. Tatan, tu ne dis rien. J'en ai parlé parce que c'est un collègue de travail. Tu ne dis rien. Et j'espère que tu vas bien, Tatan, en tout cas. Eh ben écoutez, mes amis, mais vous êtes très très beaux, en tout cas, là. Hein, sur la petite webcam, on est bien, on est posé. Je vais devoir vous incruster sur mon écran. Ah là là, ça va me faire plaisir. Bon, en tout cas, ce soir, MDR. Ah ouais, mais ça c'est de la gueule, ça. Hein. MDR. Alors, du coup, ce soir, je te laisse annoncer, en tout cas, à quoi on va jouer, cher Matt, parce que toi, tu le sais. Ah, bah on va jouer au jeu légendaire, là. Est-ce qu'on va essayer d'atteindre ce palier du million ou pas? On sait le pas, million. On s'était bien marré la dernière fois, donc pourquoi ne pas réitérer l'expérience? Et bah voilà, oui, et pourquoi pas avec d'autres personnes, pourquoi pas non plus, d'ailleurs. T'as qu'à toujours être de ce côté-là, de quoi tu te prends. Voilà, parfait. Et si je fais ça, hop, t'es encore mieux.
Voilà. Ah, c'est magnifique en tout cas, c'est magnifique. Voilà. Qui sont tout beaux ces jeunes, qui sont tout beaux. Alors, du coup, oui, vous le savez, du coup, nous allons jouer à qui veut gagner des millions dans quelques instants, mes amis. Vous allez kiffer, j'en suis sûr. En tout cas, Momi, je vais kiffer. On va un peu changer, on va un peu mixer. Natago, il fera le présentateur, un coup c'est moi. Enfin, vous allez voir, vous allez kiffer. Et qu'est-ce qui se passe dans le chat? Parce que je vois que ça... ça défile depuis tout à l'heure. Ah, Tatane, il sait une petite chose. Oui, comment ça va se passer? Je lui ai expliqué. Pas besoin de le séquestrer, vous inquiétez pas. Ça sert à rien. De toute façon, il vous dira rien. Et s'il dit quelque chose, il y aura le droit qu'un tour de roue. Donc voilà, au moins ça s'est dit, c'est fait. Mais voilà, il y a même plus Psych aussi, d'ailleurs. Votre collègue de travail qui sait aussi. Voilà, donc il y a deux personnes qui savent comment ça va se passer ce soir. Donc oui, il y a un gros jeu ce soir, du coup, hein, qui veut gagner des millions? J'espère qu'on va faire péter les compteurs sur Discord, en tout cas. Je l'espère. Alors, est-ce que tu es prêt, Natago? Est-ce que tu as fait travailler ta voix pour devenir Jean-Pierre Foucault ce soir? Je suis Jean-Pierre Foucault. Ou sinon, ou Jean-Pierre Fauquier aussi, hein, ça peut fonctionner. Alors du coup... Coup de chance sélectionné, c'est... C'était fait, mais dégueulasse de rire, quoi. Ah, c'était... Oui, on te voit qu'à moitié, oui, plus. Ouais, c'est... T'inquiète. Moi, je règle ça de mon côté. Imagine que c'est comme la radio, tu vois, t'as un retour radio, tu vois. C'est un peu ça, ouais, un petit retour radio. Voilà. Et en plus, vous allez pouvoir voir en direct Natago et Lou si vous ne les connaissez pas en plus. Ça va être énorme ça. Allez, hop, c'est cadeau, ça y est, c'est parti, on y va. J'arrive là, mes mères. Voilà, ça y est, on est là. Hop, voilà, petit changement. On est tous là, on est tous préparés. Let's go. On va jouer du coup. À qui veut gagner des voilà, millions. Voilà, parfait. Ah, il filme ça qui le dit contre un sub. Ah non, mais tu ne dis rien, tu ne dis absolument rien, mon cher filme sec, même avec un sub, rien du tout. Tu ne dis rien du tout, je ne veux pas savoir. Regardez, je vais vous agrandir. Voilà, ça vous fera à peu près la même taille que moi. Après, ça dépend sur quel sub tu veux. Fume ça avec un sub tier 3 avec moi. Y a pas de souci sur ma chaîne. Un sub tier 3, y a pas de souci. Alors, nous sommes bien sûr en France. Nous allons parler avec un jeu en français. Bienvenue. Oh non, pitié. Ah oui, il faut que tu yes, fous-toi bien de ma gueule. Là. Il faut que tu oui. Stream sur Discord histoire qu'on ait pas le délai de 5 heures. T'inquiète. Et bienvenue. Même si personnellement de base, s'il y a les mêmes bruitages, la même VF, c'est toi qui va prendre le casque. Hein. Moi je peux pas. Hein. Alors vraiment. Ah ouais, à ce moment-là. Oui. Ah parce que moi du coup je vais devoir changer un petit truc du coup vite fait. Hop. Donc nous allons jouer à qui veut gagner. Non, pas besoin de joker pour lancer le jeu, t'inquiète, tu me sais que le jeu ça va. Le plus difficile maintenant, ça va être de régler un petit peu le Discord. Voilà, c'est tout, simplement. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous expliquer très simple. Appuyez pour continuer. Vous avez là ici, juste en bas, avec les Iron Points. Donc Natago n'aura pas besoin de l'utiliser. Lou non plus d'ailleurs, hein, voilà, parce que vous allez jouer avec moi ce soir, donc vous aurez automatiquement deux tours de roue. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est offert chacun et chacune, comme ça au moins vous allez être contents et contentes. Pour ceux qui suivent le live, vous allez pouvoir avoir deux tours de roue, mais pour cela, il va falloir cocher et appuyer sur « Joker appelle un ami ». Ah, j'étais sûr et certain qu'il allait faire ça. Vous validez votre participation en écrivant « Moi ». Dès qu'on aura besoin de vous dans la liste d'attente, on vous demande votre avis en ayant le « Joker appelle un ami ». Et si vous nous trouvez la bonne réponse, vous aurez le droit de tour de roue. Si vous nous trouvez la mauvaise réponse, ça sera un tour de roue. Voilà. C'est pas magnifique, ça? C'est cadeau. Voilà, magnifique. Donc si vous répondez bien, deux tours de roue. Si vous répondez mal, un tour de roue. Voilà. Et ouais, on en a réfléchi hein, toute la journée, là, pendant le travail et tout ça. C'était énorme. Bon.
Allez, c'est parti, les gars. Je vais vous incruster sur le jeu quand même. Hein. Nat, si tu veux donner ouais. tes petites infos petites. Sur le jeu, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment gérer le stress, le stream, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos invités. Le mec, il m'envoie une torpille bazooka dans la tête. Et bim avec pas de Google, pas d'utilisation évidemment de tout ce qui est logiciel hein, qui peut être amené à une petite triche. Et puis on va essayer de répondre à ces petites questions de manière... De manière... C'est déjà très, très difficile de me concentrer de base, mais en plus, si on fait comme le Muppet Show, je t'ai fait mal. Attends, je me mets... Voilà. Voilà, ça va casser chez eux, tu vois, il n'y aura plus rien qui va fonctionner. Attends. Vous n'avez pas encore la vidéo, mais ça va être marrant en tout cas. Non, mais généralement, quand on est ensemble, c'est toujours du pont et du pont, hein, mais... Ah bah c'est cool ça, j'adore cette série de Tintin, je kiffe ouais. ça. J'adore et... cette série de Tintin. Tintin, il y a Tatane aussi. C'est le 6 de l'animé Tintin. C'est trop Capitaine Haddock, sa deuxième transformation en Saiyan, c'est ouf. D'ailleurs. Ouais, ils sont à deux, ils sont tranquilles. Hein. Allez c'est parti, petite transition. Ouais. Voilà. Je l'avais dit. Donc, on aura aussi. Yes, elle est partie. On aura aussi les Jokers. On aura le 50-50. On aura l'appel à un ami. C'est ça. Aura, pourquoi tu m'as tapé, oui. Oui. Yes, elle est partie. Bah, parce que voilà, bonjour aux gens. Tu vois, tu pars au moment où les gens te voient, ils voient une chaise vide. C'est ça. Bah ouais. Ça se fait. Ça autofocus. Se fait. T'as fait le truc du Japon des années 20. Tiens, cher, tu mérites un. Donc, on aura le Switch. On aura le Switch. On aura le 50-50. On aura l'appel à un ami. Et on aura les votes du public qu'on utilisera. Jamais, jamais. Les votes du public, c'est vous. On lira dans le chat, ok. Si vous avez des infos, de base, on ne regardera pas trop le chat ou autre. On ne fera pas appel à ça. Mais ce truc est de la douille. Voilà. Ah bah oui, ça je te confirme. Le nombre de fois qu'on a utilisé ce public, on s'est fait douiller à chaque fois. Voilà, autant se le dire. Donc voilà. Merci, merci Nat pour tout ça. Pour toutes ces infos, salut Dark, t'es arrivé, alors je vais répéter pour ceux qui viennent d'arriver maintenant, vous souhaitez tourner la roue en ce mois de décembre, en ce 22 décembre, pas de soucis, ça sera deux tours de roue ce soir, mais pour vous inscrire, vous allez directement dans les Iron Points, vous cliquez sur Joker, appelle un ami, vous tapez moi, pour vous mettre dans la liste d'attente des Joker, appelle un ami, dès qu'on a besoin de vous, si vous nous donnez la bonne réponse, vous aurez le droit... deux tours de roue, si vous donnez la mauvaise réponse ça sera un tour de roue et interdiction bien sûr d'utiliser Google, c'est vraiment avec vos connaissances, on s'amuse ce soir tous ensemble à qui veut gagner des millions. Alors on va jouer en mode enfant, hein. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de timer, mais les questions sont quand même assez difficiles mon cher Natago. Attends, je me suis mute. Ah voilà, pardon. Oui, effectivement, les questions sont difficiles avec des thèmes pas Margaret, s'il vous plaît, c'est ma kryptonite. De quoi ? Je dis, on n'est pas si moche. Non mais déjà, tu respectes Margaret. Elle a une très belle VF, d'accord. Elle me flingue de base. Ah ouais. Oui, tu serais. Ruben. Ginette. La petite blondinette. Attends, tu fais du stéréotypage de femme. La petite blondinette. Alors, la petite blondinette. Voilà. Il y a une petite blondinette. Alors, c'est pas Heng, c'est pas Nadia, c'est pas Georges. C'est Julie, peut-être, c'était ça? Ah oui, non, mais Julie, que t'aimais pas trop, toi. Alors, on passe. Oh, c'est un personnage. Pas de soucis, fume sec. Hein. J'ai vu que t'as utilisé, donc n'hésite pas. On fera appel à toi en premier, voilà. Vu que t'es dans l'ordre. Je parle pas français. Je préfère les cougars, toi, c'est ça? Bon, oui, donc, let's go sur n'importe, Julie, c'est parfait. Allez, bah écoute, on va commencer avec Julie. C'est parti, voici notre première émission ce soir avec bah, Natago en tant que présentateur. De allez, ce... oui, je vais vous lire les questions. Ouais, allez. Et puis, présentateur, présentateur Natago, la personne qui va essayer de répondre. Où ça va, vous avez le temps, Lou et Nat, ce soir?
pas jusqu'à 1h du matin. Ouais, non, vous inquiétez pas. Donc du coup, on essaiera de faire une fois chacun de notre côté, ça pourrait être marrant. Du coup, je vais répondre en premier. Lou sera mon Joker appel, enfin mon Joker public. Tiens, voilà, vu qu'on ne va pas utiliser le Joker public, bah Lou, ça sera mon Joker public. Et puis il y aura l'appel à un ami qui sera vous qui nous regardez ici sur le stream. D'ailleurs. L'appel à mamie. Allô, mamie, t'as la réponse à la question ? Allez, bah jouons tout de suite à notre magnifique jeu de ce soir, vous le connaissez tous. Bienvenue dans Qui veut gagner des millions ? Oh merde. Avec le bon gros live. Mais grave. C'est même plus un live. Un live plutôt. Qui veut gagner des millions ? Oui. Qui veut gagner de l'argent en mars ? Eh bah c'est pas nous. Mon objectif ce soir, c'est de m'amuser avant tout. Après, si je peux gagner un peu d'argent... Bah oui, pourquoi pas. Le candidat ou la candidate est désormais en place. Le candidat ou la candidate. Oui, on n'est pas sûr. Hein. Pas, on n'est pas sûr si c'est une femme ou un homme. Vous connaissez la pyramide des gains et ses 15 échelons à gravir pour atteindre sûr. Le million. On connaît tous. Pour vous aider, vous disposez de 4 jokers. L'appel à un ami, le 50-50, l'avis du public, le switch. Film sec, t'es con. Et, oula, première question qui arrive. Êtes-vous prêt pour cette première question. Question. Lequel de ces dangers n'est pas un phénomène naturel ? A, une avalanche. B, une tornade. C, un tremblement de terre. D, Jacques Chirac. Une guerre, pardon. Alors j'hésite quand même. J'hésite sur cette question. Non, pas ça. Je dirais que c'est la réponse D quand même. Je vais valider. Je suis joueuse et du coup, mon cher Natago. Est-ce la bonne réponse, et... ordinateur ? Vous faites le décompte. Êtes-vous sûr c'est que c'est votre dernier mot, mais toujours c'est bon gros lag. Un jeu codé avec le cul. Et voilà, une bonne réponse. Ah oui. Une guerre qui est un phénomène. Pas naturel. On y croit, ça grimpe vite. Oh. On ne perd pas le rythme. Ce genre de mec qui est obligé de répondre derrière. C'est un phénomène pas naturel. Pas vous donner de quel animal peut en provenir théorie. La laine ? Petit A, des vaches. Petit B, des moutons. Petit C, des poules. Petit D, des chevaux. J'ai eu un lag entre là. Mais grave, j'ai vu. Mais pourquoi je regarde pas là et en fait. Alors, la bonne réponse parmi tous, ça serait quoi ? Ça serait. Des vaches, non, hein, je ne pense pas. Des poules, non plus. Des chevaux, j'hésite quand même. Mais c'est bien sûr c'est des moutons. Et je valide, et c'est mon dernier mot, Natago. Je me dois de vous le dire. C'est mon dernier mot. Bonne réponse. Suspense. Le suspense est insoutenable. Évidemment, c'est la bonne réponse. Et c'était bien évidemment les moutons. Il fallait raison. Car les vaches et les poules et les chevaux. Pas tout de suite. En tout. Nouvelle peut-être question. Peut-être en 2067 2077. Ah, peut-être, oui, peut-être. Et justement, parlons d'avis. Ah. En 2020, combien de suites de films, des films du film Cars étaient sortis au cinéma ? 2, 5, 9 ou 12 ? Alors, je kiffe. Je kiffe parce que je me dis que je n'ai pas la bonne réponse parce que je regarde jamais ça. Mais par déduction, je dirais ni 12, ni 9, ni 5. J'ai jamais entendu Cars 3, Cars 4, Cars 5. Donc je dirais 2. Et ça sera. C'est votre dernier mot. Et ça sera mon dernier mot. Jean-Pierre. C'est votre ultime bafouille. Je le sens. C'est donc votre dernier mot. C'est le mon choix dernier est fait. Mot. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Et oui. Bon, j'ai eu peur. Je me suis, ça y est, je me suis trompé. Bien joué. Bonne réponse. Mais non, ça va. Allez, suivante. Allez. Notre équipe de rédacteurs vous propose une nouvelle comment question. Comment se nomme la peur des araignées ? L'arachnophobie, l'arachidéphobie, l'arachnophobie ou l'insectophobie ? Alors, donc c'est l'arachnophobie. Attends, l'arachnophobie. L'arachnophobie. Ah putain, j'ai un doute du coup maintenant. L'arachnophobie. On dit l'arachnophobie. L'arachnophobie, ça n'existe pas. C'est là. L'arachnophobie. 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 Non, non, ça marche pas. L'arachnophobie. Donc c'est réponse A. Et ça sera mon dernier mot. Jean-Pierre. Pour l'arachnophobie. Finalement, la question c'est mon dernier mot. Très bien.
En fait, l'ordinateur a validé votre réponse. L'arachnophobie, c'est seulement quand t'as un rhume. Parce que arachnophobie. Tout attend. Voilà. C'est la bonne réponse. Il quoi, du coup? Allez, on souffle et on passe à la suivante. Eh oui, c'est pas faux, loup. Nouvelle question en approche. Oh. Quel type d'animal est le requin? Petit A, un poisson. Petit B, un mammifère. Petit C, un reptile. Ou petit D, un oiseau. Réfléchis. Alors, avec des ailes. Ah mais sérieux, attendez. J'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai tellement envie de voir une couille arriver en fait. Bon, un oiseau, c'est sûr, non. C'est sûr. Et après, je suis en train de me dire que ça serait un... Tu connais la réponse? Un mammifère, je dirais. Alors, en fait, si je prends le 50-50, c'est sûr que l'oiseau va partir, c'est sûr, certain. Putain, j'ai tellement un doute. T'es sûr que c'est pas un oiseau? J'ai tellement un doute. En fait, ce que je vais faire, pour être sûr, j'espère, Lou, que tu connais la bonne réponse. Même si ça m'embête d'utiliser maintenant la question, le joker. Parce que j'ai envie de dire que c'est un poisson, mais je suis absolument pas sûr. J'ai un doute, en fait. J'ai un énorme doute. Et ben, je vais utiliser l'appel à Lou. Lou. L'appel à loup pour un requin. Je tiens à dire que vous avez du coup 30 secondes, pas une de plus, pour laquelle je vais laisser évidemment mon casque. Tu devras répéter l'intitulé de la question, bien même sûr. Si elle l'a déjà vu, évidemment. Et elle aura que 30 secondes pour te répondre, à savoir qu'après le délai, je mute le micro. Voilà. Pas de soucis, pas de soucis. Un décompte quand même avant pour que nous le lancer. Et c'est parti. Quel type d'animal est le requin? Est-ce que c'est un poisson, un mammifère, un reptile ou un oiseau? Alors moi je dirais aussi un poisson parce qu'il me semble qu'il n'y a qu'un seul mammifère qui vit dans l'eau, peut-être deux, le dauphin et la baleine. Mais je suis sûre que le requin c'est pas, parce qu'en plus j'ai vu dernièrement une vidéo qui peut montrer une éclosion de petits requins. Ok. D'un œuf. T'es sûr à combien de pourcents? Je dirais au moins 90. Ok, d'accord. Bah, pas de soucis. Merci Lou, bisous bisous. Ah, ça est muté. Ça y est, il a même pas dit au revoir, même pas. C'est triste, Jean-Pierre, d'avoir coupé le micro. Bon, ah bah, en tout cas, je vais répondre le poisson. Merci Lou, d'ailleurs, pour ton aide. Et ça sera my final answer. Vous n'attendez que cela. Mon dernier mot. Le choix est fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'utiliserai le joker du public. J'ai oublié de faire. Vous avez pris votre... Allez, bien joué, merci en tout cas. C'est bien joué. Ce palier n'est plus un obstacle. Alors, du coup, oui, juste un truc, c'est vrai, Natago. Je vais te demander juste un truc. Il est temps de passer oui, à une nouvelle question. Toi qui es. Enfin, toi que tu regardes live en même temps, du coup, je suppose. Mm-hmm. Donc moi actuellement je regarde pas. Si tu peux juste regarder s'il y a des personnes qui s'inscrivent du coup, enfin faire la liste. Ouais. Enfin, vous dire si vraiment il y a des choses intéressantes, mais voilà. Vas-y. Quelle personnalité n'a jamais été membre du groupe des Black Eyed Peas? Ouais. Will. Je vais le dire en vieux monsieur de. Vas-y. Je vais refaire la question en vieux monsieur de 60 piges. Ouais. Quelle personnalité n'a jamais été membre du groupe The Black Eyed Peas? William, Fergie, Tabou ou Rinana. La première personne qui m'est venue à l'esprit, c'était Rihanna en fait. Les Black Eyed Peas. Voilà, c'était la première personne qui m'est passée par la tête. Et comme d'habitude dans ce jeu, au plus qu'on traîne, au plus qu'on a un doute. Parce que William, oui, je pense très bien. Fergie aussi. Tabou, en fait, ça me dit rien. Enfin, je les connais pas par cœur, mais Tabou, ça me dit rien. Et Rihanna, enfin, les Black Eyed Peas, si je me souviens bien, il n'y a pas de meuf dedans. Voilà, voilà ma petite... voilà ma petite réflexion. Que j'ai dans ma tête. Ah, la culture que j'ai, c'est un truc de fou, quoi.
La caille-pisse, bah non, il y a pas... Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme. Mais c'est pas grave. Je vais quand même utiliser un joker. Ou pas. Je sais pas. Allez, Rihanna. Non, allez, c'est bon. Rihanna, et c'est mon dernier mot. Allez, je m'en fous. Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot? Donnez cette réponse. Quelle sera la bonne réponse? Rihanna est-elle la bonne réponse? La mauvaise réponse? C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Monsieur Jean-Pierre Foucault. Eh, il faut que je me fasse confiance. Hein. Ah bah écoute, j'avais dit que la tour Eiffel était faite en carton. Donc, ne va pas vous poser de soucis. Comment appelle-t-on des groupes de mots se rapportant à une même idée? Des champs latéraux, des champs tactiques, des champs lexicaux ou des groupes de dico? Qui est-ce qui a écrit cette question? Des groupes de dico? Ah non, sérieux. Comme étant des groupes de mots se rapportant à une même idée? Bah des champs lexicaux. C'est votre dernier mot? Bah... Ah mais sérieux, ça m'énerve ce jeu, ça m'énerve. Je suis tellement sûr au départ à 100% et maintenant j'en suis sûr à 50%. C'est des groupes, des champs lexicaux? Bah oui. Oui, c'est mon dernier mot. Je vais choisir la réponse. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il fallait faire mon dernier mot. J'ai peur. Découvrons ensemble la bonne après réponse. La Flandre horizontale des champs lexicaux repoussés, c'est la bonne réponse. Ah mais j'ai tellement peur, C'est un truc de fou. Que le son de mon PC, pour le moment on a fume sec inscrit pour l'appel j'espère à un que vous ami. Vous êtes remis de vos émotions, okay. Car voici votre nouvelle question. Comment Kirby absorbe... Oh non mais je la lis pas celle-là. Voilà. Comment Kirby absorbe-t-il les pouvoirs des ennemis qu'il rencontre en les avalant, en les frappant, en les poussant, en les transformant? Alors, le seul truc, c'est que j'ai jamais vu en fait Kirby. Voilà. T'as jamais... Non. Non. Non, je n'ai jamais vu Kirby de ma vie. Voilà. Ça, ça je vous le dis, donc je connais... J'ai pas besoin de le voir pour ça. Non mais... Non mais Lou, j'ai entendu ce que t'as dit, mais je connais absolument pas la réponse et j'ai jamais vu... J'ai pas t'as de pas terminé, ouais, ouais. J'ai pas de culture générale en fait sur ça en fait. Absolument, j'ai rien entendu sur ça donc je ne sais absolument pas. C'est là où vous vous êtes inscrit sur Joker appelle un ami. Donc du coup tu m'avais dit que c'était fume sec. C'est ça. Fume sec. Fume sec, tu t'es inscrit. C'est ton moment de gloire. C'est maintenant. Basic vient de s'inscrire. C'est maintenant où tu dois. Répondre à cette question pour m'aider. Comment Kirby absorbe-t-il les pouvoirs des ennemis qu'il rencontre? Est-ce que c'est en les avalant, en les frappant, en les poussant, en les transformant? Je vais juste faire un petit hashtag au cas où, si fume sec. Parce que je sais qu'il est devant la télé aussi en même temps. Hop, voilà, comme ça, je regarde plus le chat. Tu me diras s'il répond. Comment Kirby absorbe-t-il les pouvoirs des ennemis qu'il rencontre? En les avalant, en les frappant, en les poussant, en les transformant. Et fume sec a répondu A, en les avalant. Ok. Et fume sec a rechangé son vote en disant B en les frappant. Non, sérieux. Ah non, c'est pas bien de me faire ça, fume. Alors, c'est laquelle ou t'es sûr, fume là? C'est A ou la B? Attends, du coup, au cas où s'il répond, je vois vraiment pas ce que vous écrivez, hein, du coup. Hein, okay. À ta gauche, tu me dis dès que t'as une réponse ou quoi que ce soit. Fume sec dit pardon, il t'a dit il avale les pièces, mais frapper ses ennemis. Fume sec. Ok. Attention. Ok, bah pas de soucis. Bah écoute, je vais répondre B, t'as l'air sûr d'après ce que tu dis. Attends, il a dit il avale les. Ouais, voilà, c'est ça. Absorbe-t-il les pouvoirs de ses ennemis? Bon, fume sec, il me faut un A ou un B. Choisis. Il y a combien de pourcentage que t'es sûr aussi enfin... Dans mes souvenirs, c'est B. Ok, donc on les frappe. Hein. C'est vraiment comme si on fait le Joker en vrai, en fait. Hein. Bah écoute, merci. Si c'est la bonne réponse, t'as deux tours de roue. Si c'est la mauvaise, t'auras un tour de roue. Donc en les frappant. Eh bah écoute, t'as l'air sûr à peu près. J'ai pas envie d'utiliser un 50-50 en plus.
Même si j'ai le switch aussi. Quoique, je pourrais utiliser le 50-50, je suis à combien là? Je suis à la 7ème question. Je passerai à la 8ème, il me resterait 2 questions avec le switch. Ah, je sais pas. Pour être sûr, je vais prendre le 50-50 en fait. Tant pis. Je suis comme dans le jeu, je suis un fou. Allez, c'est parti, on y va. Ordinateur, nous allons retirer deux mauvaises réponses dès maintenant. Pas A et B, hein. Putain. Vas-y. C'est quoi ce jeu de fou? Mais c'est quoi ce jeu de fou? Eh bah écoute, je vais te suivre, hein, fume. En les frappant. Oh, putain. Sérieux. Pardon, désolé pour les gros mots, c'est pas fait exprès, mais c'est... Voilà. Bon. Eh bah, fume ça que je te crois, je vais dire réponse B, note. Je crains pire. Je crois que ça va être là. Réponse B, en les frappant. Excusez-moi. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que vous validez cette réponse? Ah putain. Fume sec. Ah putain, j'espère que c'est ça. J'espère pour toi que c'est ça. Et bah ça sera B. Et ça sera mon... Ah, je me crois comme sur le plateau en fait, c'est un truc de fou. Allez, c'est mon dernier mot. Je dirais réponse B. Vous savez vidéo que tu m'as envoyé. Réponse B en les frappant. Est-ce que malheureusement, je connaissais ça ne sera pas. Seul tour d'euro pour fume sec. Exercice c'est très difficile. Oh non. Kirby, cette petite boule rose. Vous avez joué avec le feu. Et vous vous êtes brûlé. Ses dommage. Ennemis et qui nous a donné mais littéralement 30 ans dans la gueule. Ah, oh, finesse. Ah, je suis dégoûté, je connaissais absolument pas Fume Sec. Ah, je suis dégoûté. Fume Sec. Un tour d'euro. Un petit tour d'euro. Un petit tour d'euro. Voilà, le petit tour d'euro qui va arriver là dans quelques secondes. Bah, GG à toi quand même. Allez, voilà la petite roue qui tourne là maintenant. Normalement. Si elle veut bien. Ça y est, si c'est bon. Elle tourne. Elle retourne. Où est-ce qu'elle va s'arrêter? Et ça sera sur... une clé Steam. Ouais, voilà. GG à toi, en tout cas. Une clé Steam, du coup, pour toi. GG. Je vais t'envoyer tout ça. Là, j'étais pas mute, hein, là. Ah, mais j'ai entendu. Mais c'est pas grave, tu t'inquiète. Tu te débrouilles, hein, genre. C'est pas grave, t'inquiète. C'est pas grave. On a rien entendu. Il y a personne qui a rien entendu. C'est avec plaisir. Enfin, voilà. Voilà. Alors du coup on aura Spizik en inscription et on a Tatan qui vient de s'inscrire pour l'appel à un ami. Ok, alors je vous oublie pas, c'est juste que si je chante sur Discord vous allez voir tous les codes etc. Donc je vous envoie ça juste après en MP. Je vais noter Fume Sec, un code Steam pour toi. Et on retourne dans qui veut gagner de l'argent en masse. Qui veut gagner de l'argent en masse. Alors. Tu vas faire comment du coup? Qui joue, qui présente, qui fait quoi? Alors, pour celui-ci, nous allons faire Iron qui présente, Lou qui va jouer, Natago qui sera le joker public du coup de Nat. De Lou. T'as un casque trop grand pour moi. C'est pas grave, Fume Sec, t'inquiète pas. Enfin, on n'a pas trouvé la bonne réponse, mais c'est pas grave. Donc, du coup, tu m'avais dit que c'était qui le prochain qui joue avec nous, Nat? C'était Spizik. Spizik. Ok, d'accord. Bon, Spizik, tiens-toi prêt, en tout cas, derrière ton écran. Est-ce que tu veux changer de personnage, Lou, dans le jeu? Oui. Tu veux mettre... Tant faire, autant variant. Tu veux mettre qui? Lycée. Elle me ressemble un peu. Ok. Bah écoute, profession... Alors, profession chercheuse, mais elle cherche quoi? Un emploi ou elle cherche vraiment quelque chose? Ça ne sera jamais. 37 ans, hein. Tu ressembles à une meuf de 37 ans, mais à part ça... Bah oui, mais écoute, ils ont pas mis les rides, hein. 37 ans, t'as déjà des rides, toi? Bah oui, je m'en... déjà maintenant, je commence.
Ça y est, bienvenue dans la thérapie de couple. Nous sommes dans... Qui veut gagner de la thérapie de couple ce soir? Allez, bonne chance Lou. J'espère que tu répondras bien à toutes les questions de la pyramide. Du coup, Natago, c'est ton joker public. Le joker Nami, ça sera Spizik. Bon, j'espère qu'il t'aidera quand même. Et puis, Iron Iridium sera là pour faire péter l'audience. En fait. Allez, c'est parti, on y va. Bienvenue dans Qui veut gagner de l'argent en Mars. Allez, on coupe le générique un petit peu, là. Regardez Lou qui rentre sur notre plateau. Ah non, c'est moi. C'est pas moi. Sans plus tarder, démarrons une nouvelle partie de Qui veut gagner des millions. Allez, jouons avec sa nouvelle partie, avec cette nouvelle candidate. Ah bah maintenant je rentre, voilà. Qui rentre tu avec... Vois, le même genre de pantalon que on je mets. En et on y va. Objectif, avoir un maximum de bonnes réponses. On dirait un robot qui et parle. Allez, voici la première... Ah non, on va expliquer peut-être qu'il y a une pyramide des gains. De la pyramide des gains. Avec quelques jokers. Tout en haut de la pyramide... Le million. Le million. Le million. Le 50-50. Pour vous aider, le coup de fil. De 4 jokers. L'appel à un ami. L'appel le switch. Ami, le c'est quoi le switch? Le switch, et tu peux changer de question. Voilà. Et voici la première voici question pour Lou. Question pour vous. Comment doit-on lire un manga? Sérieux, cette question, je la connais. De gauche à droite. De droite à gauche. Du bas vers le haut. Avec des lunettes spéciales. Bon, bah j'ai pas trop d'hésitation, hein. J'ai juste dû me rappeler de quel côté était la droite, mais bon, du coup c'est de droite à gauche. De droite à gauche, c'est ton dernier mot? Oui. Je vais miser sur la réponse B. Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot, mais... Donc la droite, c'est bien sûr de ce côté-là. Hein. C'est de là à... Là. Bravo, bonne réponse. Où vous restez, pour ma plus grande satisfaction. Et c'est la bonne réponse. Vous restez, c'est la bonne réponse. C'est un peu côté pervers. Parfaitement exécuté. Génial. Allez, prochaine question. Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre. La voici. Quelle est la petite amie de Donald, le canard de Disney? Est-ce que c'est Minnie? C'est mon chien. Clarabelle, Daisy ou Fifi? Comme l'a rappelé l'enfant à qui on a, enfin, qui de l'enfant qui des parents qui nous donnaient notre chien, ouais. C'est Daisy. C'est Daisy. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Il faut tenter le diable parfois. Allez, réponse C. Vous savez désormais quel sera ma oui, le choix c'est est fait. C'est mon dernier mot. Tu es sûr que c'était pas Minnie? Bravo, oh, bonne réponse. J'ai eu un doute, je me suis dit, mais non, Minnie, c'est Mickey. Calme et sérénité. Ah, j'adore être à voilà cette place. Prochaine question, bravo. Question dans bonne quel pays se trouve la statue de la liberté? Est-ce que c'est au Japon, aux États-Unis, en Allemagne ou en Russie? En fait, au début, j'étais occupée à hésiter avec l'Angleterre, mais vu que c'est pas l'Angleterre, du coup, c'est les États-Unis. Très bien. Est-ce après, il y a une copie au Japon, mais... Là, on parle bien sûr de l'original. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je crois en mon instinct et je choisis la réponse B. Et c'est le oui, moment de c'est se... Mon dernier vous mot. Avez dit votre dernier mot. Et ça c'est le moment de découvrir la bonne réponse. La bonne réponse qui est... Et aux voilà, États-Unis. Une bonne réponse pour vous. Félicitations. Bravo, bien joué. Parfaitement exécuté. Génial. Je me la voici pète un peu. Une nouvelle t'as bien raison. Prochaine question. Sur quoi se pratique le judo? Sur une scène? Sur une piste de danse? Sur un tatami? Sur la glace? Ou sur Natago? Ah, je ne suis pas sûre. Alors... nous, on pourrait dire qu'on le pratique sur un matelas. D'accord. Sinon... Non, parce que Dad, il a déjà essayé de me faire des prises de judo sur le matelas. Ah ouais. Sinon, c'est sur un tatami. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. J'ai une réponse C, sans hésiter. Ça fait bizarre d'entendre ça. Le moment est venu. Quelle sera la bonne réponse? Sur quoi se pratique le judo? C'était bien sûr sur un tatami. Bravo, bien joué. Ah, sinon, t'allais me faire une prise de judo en live. Eh bien, j'ai eu très chaud cette fois-ci.
Et pour notre prochaine question, pour notre premier palier, si je me trompe pas. En laboratoire, quel tube fin sert à prélever des liquides? Est-ce que c'est une pipette, une épuisette, un baromètre, un octoclave? J'ai pas envie de cramer mon appel à mon collègue juste ici à côté de moi maintenant, parce que je suis quasiment sûre de la réponse. Maintenant, lui, il peut le savoir encore plus que moi avec les études qu'il a fait. Mais l'épuisette, c'est pour pour genre rattraper les poissons ou des trucs comme ça, ou dans la piscine, nettoyer la piscine. Autoclave, je n'en ai aucune idée. Baromètre, ça c'est pour calculer, je ne sais plus quel. Je crois que c'est le vent ou un truc comme ça. Du coup, je dirais pipette. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Je pense que c'est la réponse A. C'est donc votre c'est dernier, mon mot. Dernier mot. C'est votre la bonne réponse mot, à cette question est une pipette. Bien joué. Bravo, premier palier et sans joker en plus. Bravo, Lou. Oh, les yeux. Bonne chance à vous pour cette nouvelle question. Nouvelle question. Attends, on a perdu internet, j'en suis de retour. Ah, ok, c'est bon. C'est... Laquelle de ces plateformes de streaming n'est pas principalement musicale? Est-ce que c'est Spotify, c'est bon. Deezer, SoundCloud ou Google Play? Si tu m'entends, je dis la réponse D. Ah oui, je t'entends très très bien, ne t'inquiète pas. Ok, c'est parce qu'on a eu internet, puis plus internet, puis internet, puis plus internet. Pas de soucis. Puis un peu internet et puis de nouveau plus internet. T'inquiète, mais en tout cas là tu m'entends très bien. Oui. Très bien, donc laquelle de cette plateforme de streaming n'est pas principalement musicale? Spotify, Deezer, SoundCloud ou Google Play, tu me dis? Google Play. Est-ce que c'est ton dernier mot? Attends, n'est pas principalement musical, mais ça veut pas dire que c'est pas musical. Non, Spotify, je suis sûr, c'est que musique. Deezer, c'est que musique. SoundCloud, c'est que musique. Donc, Google Play. C'est mon dernier mot. Très bien. Je vais choisir la réponse. Voyons si l'ordinateur nous dit que c'est la bonne réponse. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. La bonne réponse était Google Play. Bravo, bien joué. C'est des applications Android, ça. C'est ça, oui, c'est ça. Okay. Ou même pour jouer à des jeux, etc. On ne se relâche pas. Et vous avez, alors je vois Spicy qui met, du coup je peux me permettre de regarder, qui me dit, vous avez la même co que moi. Comment s'appelle le passage de l'eau liquide à l'eau solide? Est-ce que c'est la liquéfaction, la solidification, la production ou la consternation? Mais en fait, le début, je me dis, je vais appeler Nat, tu vois, et puis, non, en fait, tu peux juste pas dire la consternation, c'est pas possible. Donc, ça va être la B. La B? C'est la un jeu un peu trop simple jusqu'à maintenant. Solidification? Je dis jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Je dis la solidification et c'est mon dernier mot, Iron. Je suis sûr que c'est la B. Tu es sûr que c'était pas la liquéfaction? Non, la liquéfaction, c'est dans l'autre sens. La liquéfaction, c'est quand ça devient liquide. Très bien. Bonne réponse. Et ne me mets pas le doute comme ça. C'est fait exprès, bien sûr. Et vous bien joué. Et toujours pas de joker, les gars. Elle est très forte, Lou, en fait. Hein. Génial. Non, c'est juste que pour le moment, je sais pas. C'est parce que j'ai des boobs, ils me mettent des questions faciles. Et voici une nouvelle question. Allez, voici cette question. Art et divertissement. Quel est le nom de la Joconde? On ne sait pas. Marie-Antoinette, Mona Lisa, Marion. Comme une de mes chansons préférées de Panic at the Disco, je dirais Mona Lisa. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Iron. Au culot, je dirais la C. Allez. C'est finalement la question que vous le choix est fait. La bonne réponse. Eh bien, Monazia. Une bonne réponse. Bravo, bien joué. Encore une question. Très chaud cette fois-ci. Ouf. Tu as combien de paliers là? Je pense qu'il te reste une question avant le prochain palier, si je ne me trompe pas. Une nouvelle question va vous être proposée. De combien de tomes sont composées les aventures littéraires d'Artemis Fowl? Est-ce que c'est 4, 8,
12 ou 16. J'ai dit jusqu'à maintenant, j'ai pas dit que ça allait pas devenir difficile, je dis jusqu'à maintenant. C'est l'avant-dernière question, tu as la question 8, il reste du coup cette bonne réponse pour être à la 9 et après la 10. Pour arriver. J'ai tous mes jokers. Hein. Et pour l'instant, tu as encore tous tes jokers, le switch, le 50-50, le coup de fil à un ami ou le l'aide du public. Ne lisant absolument aucun livre de ma vie parce que je n'aime pas ça. Oui. Je pense que je vais quand même prendre un joker. D'accord, lequel lequel souhaites-tu utiliser? Je vais commencer par prendre le 50-50. Est-ce que tu es sûr d'utiliser le 50-50? Tu sais quoi, je vais faire le switch. Le switch? Oui, le switch. Est-ce que c'est ton dernier mot? Je prends le switch, Iron, c'est mon dernier mot. Si tu devais choisir une réponse, de combien de tomes sont composées les aventures littéraires d'Artemis Fowl, tu aurais choisi laquelle? Je sais pas, au pif, parce que j'aime bien le chiffre, j'aurais dit 8. Très bien. Nous utilisons le switch. La question et regardons ne s'inspire pas, et c'est pourquoi la bonne réponse qui était... Utiliser votre joker de switch. C'est bien joué. La bonne réponse qui était 8. Dommage. J'aurais dû faire confiance à mon goût en termes de chiffres. Voici, concentrez-vous. Du coup, notre nouvelle question. Nouvelle question pour vous. Où la Coupe du Monde de football de 2022 est-elle censée se dérouler? Aux États-Unis, au Qatar, au Danemark, à Paris? Bah tu vas rire, mais je suis presque sûre que c'est au Qatar. Je suis presque sûre de le savoir, tu vois. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas certaine à 100%. Et du coup, je me dis peut-être que quelqu'un pourra me le dire si je fais un appel à un ami sur le chat, c'est ça? Oui. Donc, Je vais faire un appel à un ami sur le chat. Tu fais l'appel à un ami sur le chat. Bon, bien sûr, Nat, vous gérez chez vous pour pas trop regarder le stream. Ouais, hein. Moi, je regarde pas le stream, il est sur cet écran-là, je regarde c'est, pas. C'est très bien, je compte sur votre bonne foi. Alors du coup, Spizik, toi, qui es le prochain du coup à aider sur cette question, on t'appelle au secours sur cette question. Où la Coupe du Monde de football de 2022 est-elle censée se dérouler? Est-ce que c'est aux États-Unis, au Qatar, au Danemark, à Paris? Est-ce que ça aurait été pas mieux d'utiliser 50-50 avant ça? Je ne sais pas, mais c'est maintenant que ça se joue. Spizik. Alors du coup, que réponds-tu pour aider Lou? Bon, pour l'instant, je vais pas te le cacher, il répond pas grand-chose. Hein, donc. Bah, je sais plus en fait si. Il me semble que Paris, je l'avais entendu aussi à un moment, mais que ça c'était pour un autre moment plus tard. Alors c'était lui. Alors lui. Ouais, je vais te dire la réponse hein, qu'il a écrit. Bah, moi je dirais le Qatar, vu que j'aurais entendu parler de cet endroit pour la Coupe du Monde. Voilà ce qu'il a dit. Ouais. La phrase n'est pas très claire, mais je pense que j'ai entendu la même chose, du coup... Est-ce que tu veux peut-être demander quand même un pourcentage au cas où, de combien il est sûr enfin, peut-être, Spizik, à combien de pourcents t'es sûr? Si maintenant... Ouais, enfin, je veux bien qu'il me dise à combien de pourcents il pense être sûr, hein, mais je pense qu'il a la même logique que moi, c'est que... Il a entendu à un moment parler du Qatar et du foot en même temps et qui a une petite connexion quelque part qui s'est fait ok, ça doit être ça. Alors 40%. Parce qu'on n'entend pas souvent parler du Qatar, donc si on a parlé du Qatar et que ce soit pas pour une mauvaise chose, c'est certainement parce qu'il va avoir du foot là-bas quoi. 40% pour son pourcentage. Pas terrible. Mais du coup tes 60% ils vont où? Doute entre les trois. Oui, où est-ce qu'ils vont tes 60% restants du coup? Et 20% pour Paris, il dit. 40% ouais. Sur Qatar, 20% sur Paris, il nous en reste 40 encore oui, à placer. Du coup, 20% sur le Danemark et 20% sur les États-Unis, quoi. Ça pue un peu le joker vote du public dans le jeu. Je vais utiliser le 50-50. Si et alors, il y a 60% de je ne sais pas. Voilà, il a été franc, il a écrit ça. Du coup, ça fait 120%, c'est bien. Du coup, tu souhaites utiliser le 50-50? Oui, je vais utiliser le 50-50. Très bien. Ordinateur, veuillez retirer
Deux mauvaises réponses. Ordinateur, retirez donc deux mauvaises réponses pour nous aider à répondre à cette question. Ratatan pour le prochain. Dire Ratatan pour le prochain appel à la... Mais oui, c'est ça, mais on dirait qu'il nous entend le jeu. Hein. Oh, mais je vais quand même dire au Qatar alors. Hein. Je vais rester sur mon idée. Et c'est mon dernier mot, Iron Qatar, le B. Très bien. Je vais miser sur la réponse B. Est-ce que... Vous êtes belge ? Oui. Est-ce que tu n'aurais pas... Est-ce que tu n'aurais pas entendu le Qatar parce que le Barcelone cherchait un sponsor et ils ont parlé du Qatar ? Mais j'en sais rien, moi, le foot, j'en ai rien à branler. Enfin, franchement, j'ai un stade à 200 mètres de chez moi, ils font plus chier qu'autre chose. Donc franchement... La bonne réponse. Je fais si tu veux que je le dise. À cette question. Je me dois de vous le demander. Où la Coupe du Monde de football de 2022 est-elle censée se dérouler ? Été. Au Qatar, bien joué. Et cela paye, c'est la bonne réponse. Malgré l'utilisation de deux jokers, bravo, bien joué. Ouais, en plus, le pire, c'est que c'était mon idée de base et j'ai voulu me rassurer et au final, ça m'a aidé en rien, les deux jokers. Enfin, un petit peu, 40%, bien, tu vois. Et du coup, Spazik, deux tours de roue pour toi. Bravo, bien joué. Quel est le mal de la dinde ? Est-ce que c'est le dindon ? Le dindonneau ? Le pigeon ? Ou le poulet. Pour te donner une ordre d'idée, tu es à l'avant-dernière question avant le prochain palier. Si tu donnes la bonne réponse, tu passes au palier numéro 2. Est-ce que la dinde et le dindon, ils font tous les deux... Ça, c'est la question. En fait, j'essaye déjà de visualiser une dinde. La dinde, c'est les trucs que les Américains ils mangent à Thanksgiving avec la grande queue comme ça, là, derrière. Donc bon, c'est déjà pas un poulet, c'est déjà pas un pigeon. Le dindonneau, je ne vois pas du tout à quoi ça ressemble. Moi, pour moi, le dindonneau, c'est dans mon assiette, c'est déjà cuit et c'est un peu blanc comme ça. Mais... voilà, mais... Allez, on va quand même essayer de passer ce palier et je vais utiliser mon dernier appel. Je te rappelle qu'il reste des jokers pour t'aider, bien sûr, ils sont là pour ça. Oui, mon dernier joker, c'est Nat, hein, mais je pense pas qu'il sache. Je ne sais pas s'il sait ou pas, à vrai dire. Du coup, je te laisse mais... transférer le casque si c'est fait et tout ça. J'ai quand même déjà dit que je le prenais. 30 secondes. Le temps de régler tout ça, vous voyez en direct vous de votre côté. Comment cela va-t-il se passer ? 30 secondes pour que Lou... Donne la réponse à Natago. Dès que t'as fini, t'as plus l'arme. Zéro et que je suis encore occupé à parler. Natago, non, est-ce que la liaison est bonne ? Oui, la liaison est bonne, Jean-Pierre Iridium, je suis là. Le chrono de 30 secondes va débuter dans quelques instants. Pendant ces 30 secondes, Lou, tu vas devoir donner la question, l'intitulé de la question, plus les réponses, en espérant que Natago... connaissent la bonne réponse. Me donner l'intitulé de la question. Du coup, comme je me souviens, dans l'émission, il fallait dire les trucs. Est-ce que si je sais que ça va pas être les autres réponses, je peux juste les répéter les deux réponses que je pense que Ah, bah bien sûr, tu fais comme tu veux. Est-ce que tu veux en 30 secondes Tu es chez toi. Tu veux m'insulter en 30 secondes, tu m'insultes en 30 secondes, oui, c'est pas grave. Le chrono démarre 3, 2, 1, top. Quel est le mal de la dinde ? Le dindo ou le dindonneau ? Les deux autres, je sais que c'est pas. Le dindo ? Le dindon. Alors bon, le pigeon, je pense pas. Le poulet, je pense pas. Le dindonneau, ça m'étonnerait. Donc, je pense sincèrement que c'est le dindon. Tu penses que donc le truc qui a la... Ouais. Ce soit le mal de la dinde. 10 ouais, secondes. Parce que dindonneau, c'est peut-être une façon de faire de le truc. De préparer, tu voilà. penses que c'est dans l'assiette. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça. 2. Et bisous. 1. 0. Alors du coup Lou, voilà, tu as eu les propositions du coup de Nat qui t'a aidé sur ce joker. Quel serait que vérifier quand même si le dindonneau mais plus tard hein, pas maintenant. Quel si serait c'est vraiment juste une préparation. La bonne réponse à cette bah, du question. Du coup, je vais tenter le tout pour le tout et je vais dire la réponse à Iron. Ah oui, carrément. Est-ce que c'est ton dernier mot?
Bah, étant donné que bah, j'ai plus de joker, je vais être obligé de mettre l'un ou l'autre. Donc oui, c'est mon dernier mot. Je vais dire la réponse A. Très bien. Réponse A, sans hésitation. Un peu quand même. Si je peux juste te faire une petite parenthèse avant de dévoiler la bonne réponse. Le pigeon n'est pas la bonne réponse. Et c'est le moment de se rendre. Le moment est venu. J'ai cru que t'allais dire je connais la réponse. La réponse, je la connais, oui. Et hey, bravo, bien joué. Bravo. Deuxième palier. Bravo à toi, Lou. Et voici. Coup, là, maintenant, j'ai bloqué d'office ça. C'est ça, voilà. Tu es au deuxième palier, tu es la meilleure joueuse en tout cas ce soir pour l'instant. Voici notre prochaine question, tu peux répondre, il n'y a pas de souci, tu perdras aucun argent dans le jeu virtuellement. Quel nom a-t-on donné à la Vénus sans bras provenant de l'île grecque du même nom? Est-ce que c'est la Vénus de Milo, la Vénus de Milan, la Vénus plutôt de Chypre ou la Vénus grecque? Moi je suis sûre de cette réponse parce que j'ai pas mal d'amis qui se sont nommés comme ça sur Facebook. Hein. C'est la Vénus de Milo. Est-ce que c'est ton dernier mot ? Je pense que c'est la réponse A. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Lou. Je ne suis pas précipité. Car la gazelle n'est pas la fille de Bobby. La Vénus de Milan existe. Est-ce que c'est la Vénus qu'on recherche sur cette question? Après, j'ai fait des études d'art et je suis sûr de ce que je dis aussi. C'est intenable. La bonne réponse à cette question était la Vénus de Milo. Bien joué! C'est la bonne réponse. J'essaye de mettre le doute. Ça, j'aurais fait quand même. Je l'ai vu en plus parce que j'ai été au Louvre, tu vois. Bah oui, on a été au Louvre. Bah, j'étais gratuit pour les moins de 21 ans. Voici une nouvelle question. Là, j'essaye de mettre un peu de suspense, mais malheureusement, non. Qui a été le premier empereur romain? Est-ce que c'est Auguste, Basilio, César ou Néron? Alors là, je suis complètement bloqué. À moins que. Toi, tu savais, genre, tu t'appelais à ce coup-ci, c'est ça? Je peux pas t'aider, mais je connais la réponse. Normalement, j'ai eu des questions super faciles alors que je connaissais pas la réponse, et là je connais. Mais je ne peux pas t'aider. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de répondre Auguste. Sache que si tu donnes une mauvaise réponse, tu es actuellement au palier de 36 000 étoiles, on va dire, et tu retomberas à 24 000 étoiles. 24 000 étoiles. On n'a jamais été aussi haut. Oui, c'est vrai. Qui a été le premier empereur romain, Auguste, Basilio, César ou Néron? Et j'ai plus du tout de joker. Hein. Non, tu es toute seule, tu peux t'arrêter là, avec du coup les 36 000 étoiles, ou répondre à cette question, et deux possibilités, gagner et passer à 72 000 étoiles, ou répondre avec une mauvaise réponse et descendre à 24 000 étoiles. Je me dis que tu vois, César, tout le monde le connaît, c'est trop facile de répondre César. Et du coup, ça peut pas être le premier, vraiment, premier empereur. Est-ce que Auguste, c'est pas celui qui l'aurait poignardé? Enfin, un des X personnes qui l'ont poignardé? Non. Alors, allez, je vais m'arrêter là. Comme ça, j'ai 36 000. C'est bien. Je m'arrête. Est-ce que c'est ton dernier mot? J'ai toujours été plus haut que vous. Mais en fait, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque de me tromper et de redescendre à 24 000? Tu vois? Un palier, quoi. Oui, c'est un palier. Mais entre 24 et 36, tu vois, t'as quand même 12 000. Après, tu peux gagner quand même 72 000 étoiles. Ouais, si tu donnes une bonne réponse. Si ça se trouve, tu veux juste que je descende, parce que tu sais laquelle je vais répondre. Bah, on a jamais été Bon, ok, allez. Parce que j'en ai marre qu'ils me traitent de poule mouillée alors qu'on parlait d'un nom là tantôt. Réponse A. Est-ce que c'est ton dernier mot?
C'est mon dernier mot. Et lui, il se fout déjà de ma gueule. Là. Réponse Bonne réponse à cette question, Lou. Je dirais la réponse A. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Le premier empereur qu'on cherchait, Romain, était Auguste. Bien joué. Cela paye, puisque c'est la bonne réponse. Il faut te faire confiance. Bravo, bien joué. Ah, parfait. On progresse. 72 000 étoiles, c'est incroyable ce qui se passe ce soir. Prochaine question. Passons désormais à la prochaine question. Que mesure un baromètre ? La différence de question là ? La pression atmosphérique. On en parlait au plus au début. Hein. La température. Les précipitations ou la vitesse du vent ? Ah non, je sais plus. je pense que c'est la pression atmosphérique. Je rappelle quand même le topo, tu as 72 000 étoiles, tu réponds bien, tu as 150 000 étoiles, tu serais la détentrice du meilleur record de cette chaîne. Ou si tu tombes avec une mauvaise réponse, c'est 24 000 étoiles. Bon, le thermomètre, ça on sait. Les précipitations, je suis quasiment sûr que c'est pas le baromètre. Maintenant... Vas-tu refaire une loup répondre correctement à la question et passer au prochain palier, à la prochaine question ? C'est très très bien. Mais pour ça, il faut que tu me donnes une bonne réponse. Allez, on tente le tout pour le tout. Je vais dire avec ma première idée, la réponse A. La pression atmosphérique, est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Je pense que c'est la réponse A. T'hésitais entre quoi et quoi ? La vitesse du vent. Le baromètre. Mesure. Êtes-vous sûr c'est que c'est votre dernier mot ? Très bien. L'ordinateur a validé votre réponse. Ce n'est pas la température. Comment elle découpe la parole tout le temps ? Mais bien sûr, la pression atmosphérique, bravo ! 100 000 étoiles ! Calme et sérénité. 150 000, même, voilà, ça va. La recette du succès. Si on enlève 50, c'est pour moi, c'est cadeau. Prochaine question. La partie se corse dès maintenant, avec cette toute nouvelle à question. Quel temps est conjuguée la phrase « Ils apprirent leur leçon » ? Est-ce que c'est le futur, passé composé, passé simple ou imparfait ? Je suis incapable de répondre à cette question. Sincèrement, je sais que c'est pas le futur. Maintenant, je n'ai jamais retenu en aucun cas quoi que ce soit sur la conjugaison. Je suis extrêmement nulle là-dessus. Donc je serais vraiment incapable de dire quel type de passé ça serait. Et là, clairement, j'ai même pas à hésiter ou quoi que ce soit. Je vais vraiment partir avec 150 000 étoiles. Est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot, Iron. Eh ben bravo, on peut l'applaudir. En tout cas, bravo. Félicitations, Lou. 150 000, c'est énorme quand même. En tout cas, bravo, bien joué. Bien joué à toi. Si tu devais donner une réponse sur cette question... Je sais pas, je dirais l'imparfait, mais... Très bien. Juste parce que comme ça, c'est un peu comme moi, tu vois. Imparfait. Eh bien, bravo. Bravo, ce fut une partie y a pas passionnante. La réponse. Et non, tu ne le sauras pas. Tu pourras regarder sur internet. Tu pourras regarder, mais pas de soucis, ok, c'est noté en tout cas ta réponse. 150 000 étoiles, bravo en tout cas, bien joué, parce que c'est franchement le meilleur score qu'on a fait ici sur la chaîne, bravo. Bien joué à toi Lou. Je pense que ce record va durer longtemps ici dans qui veut gagner des millions. Et... J'ai eu beaucoup de chance sur les questions, elles étaient très simples. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Prochain duo, prochain trio qui va fonctionner. Ça sera... Lou, est-ce que tu veux présenter ? C'est toi pas qui sûr. Vois. C'est toi qui vois. Hein. Ah non, mais moi je vais bafouiller à chaque phrase. Là, c'est soit tu présentes ou soit c'est le Joker de Natago en fait. C'est un des deux. Donc je te laisse le choix. Si tu veux présenter, n'hésite pas. Hein. Il a le micro, il peut jouer, il peut être le truc. Donc moi je vais être son Joker. Allez, ok, pas de soucis. Juste avant, on va faire tourner la roue pour toi, Spazik, et deux fois, du coup. Voyons, du coup, sur quoi tu vas tomber.
Est-ce que tu as tombé sur deux clés Steam, pourquoi pas? Ou deux fois 1000 points? Parce que je sais que tu cherches ça, Spidey. Deux fois 1000 points. Ça sera malheureusement un raté. Et pour le deuxième, du coup, deuxième tour de roue, c'est parti tout de suite. Qui tourne? Du coup, j'aurai Tatane en choix du public. Et qui sera? Et qui sera? Une clé Steam. Ah. Bravo. Bien joué à toi. Du coup, je t'envoie du coup une clé Steam. J'aurai du coup 40% de la clé Steam, à savoir les c'est ça. 4 premières pictogrammes. Sachant que c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, mais c'est vrai que le Call of Duty n'est toujours pas tombé d'ailleurs. Ah, pour le petit Spyzou quand même. Il nous reste moi, 30. Je regarde que l'écran numéro 1. Il nous reste 37, enfin il me reste 37 clés exactement. Et Call of est toujours dedans. Bon, passons du coup avec Nat. Nat qui va être sous la torture de Iron en présentation dans ce qui veut gagner des millions. Et Lou, notre, enfin le Joker en tout cas, de Natago téléphonique. Et la personne qui va t'aider du coup en public, c'est Tatane, c'est ça? Ouais. Ok, pas de soucis. J'espère que tu vas arriver très très loin. Dépasser en tout cas, dépasser en tout cas Lou avec peut-être un gain 300 000 étoiles peut-être sur ce live. Restez là. Il faut que. Il faut parce que toi t'arrives first try et bim. Alors du coup, avec qui tu veux jouer? Normal, c'est t'as 30 secondes. Moi je vais prendre ma bonne étoile. Ma Margaret. Voilà. Ok. Ouais. Allez. Retraité 69 ans et qui joue au mini-golf. Yes. Là voici. C'est ça qui est le plaisir. Nous arrivons bien sûr dans ce jeu que vous connaissez tous. Bienvenue dans Qui veut gagner 2 millions. Avec ce soir Natago qui va répondre à toutes les questions de cette fameuse pyramide. Jusqu'à 1 million d'étoiles à gagner. Va-t-il le faire? Non, j'ai pas envoyé la clé, je te l'enverrai à la fin du stream, Swazik. Et voici du coup, encore une fois Iron qui rentre dans le studio parce que je le connais par cœur. Bonsoir à tous. C'est les toilettes. Sans plus tarder, démarrons une nouvelle partie. Ah, bonjour Janine, toi qui es à côté. Et voici justement Natago qui rentre. Il s'est transformé ce soir. Dans quelle histoire vous m'entraînez là? Concentrez-vous, réfléchissez bien, prenez votre temps. Alors, qui veut gagner des millions? Et c'est parti, oui, comme tu dis, pour qui veut gagner des millions, voici bon, vous connaissez le principe la pyramide. Gain, 15 questions, et tout en haut de la pyramide, le million. Qu'on te souhaite le million, bien sûr, 4 jokers, le 50-50, aider, le coup de fil d'un ami, le jokers, vote du public, ou le switch. Ami, le 50-50, l'avis du public, le switch. Joue tout de suite à qui veut gagner des millions. Notre équipe veut gagner de l'argent en mort. Une nouvelle question. Première question. Comment se nomme le grand fleuve d'Égypte antique? Est-ce que c'est le Fil, le Nil, le Pil, le Fas? Oh non, pas le Fas. Je vais dire réponse B, le Nil, et c'est mon dernier mot, Jean Iridium. Pas de soucis. C'est votre dernier mot. La bonne réponse, ce grand fleuve d'Égypte antique, était bien sûr le Nil. Bonne réponse, oui. Et sans étoiles. J'ai la pêche. On est déjà très très haut là. La preuve. Il est temps de passer à une nouvelle question. Voici cette nouvelle question. En 2020, combien de suites du film La Reine des Neiges était sorti au cinéma? Est-ce que c'est 1, 2, 3 ou 4? Ah non, ou 12. Ou 12. je pense qu'il y a eu juste La Reine des Neiges 1. Donc, je dirais une suite. Si c'est bien logique. Est-ce que c'est ton dernier mot? Alors, en fait, j'aimerais comprendre le terme suite. Tu vois, s'il y a une suite à La Reine des Neiges, bah ouais, non, mais c'est ça. Était sorti au cinéma, je dirais ouais, La Reine des Neiges 2. Calvaire, donc ouais, je dirais la réponse A, 1, une Est-ce suite. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean Iridium. Ah ouais. Bah c'est une suite. Choisis la réponse A. C'est validé, c'est trop tard. Est-ce que c'est votre dernier mot? Vous avez oui, dit votre dernier mot.
La bonne réponse. Découvrir la bonne réponse. Était. Une. Hésiter. Et pourtant c'est bien joué. Bonne réponse. Une suite, c'est non, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges 2, c'est hein une, suite. Une suite. Voilà, c'est ça. Voici une nouvelle question. La question était piège. Était piège. Hein. Quelle couleur doit-on mélanger pour obtenir du violet? Est-ce que c'est du rose et du bleu et du rouge, du jaune et du vert, ou du rose et du rouge? Je suis une énorme merde à ça. C'est le truc que je redoutais le plus. Faut croire que le jeu lit dans tes pensées. Oh non. Quelle couleur doit-on mélanger pour obtenir du violet? Je suis sûr et certain que Lou a la bonne réponse. C'est pas sûr et certain. C'est ancré, ça a été mis dans son code génétique. Mais par contre... Oh. J'en sais putain de rien. J'en sais rien du tout. J'arrive même pas à m'imaginer les couleurs en fait. Donc je vais appeler... Je vais appeler Lou hein, pour une réponse pourrie, mais tant pis, je connais pas la réponse. Appeler Lou, très bien. Donc le Joker de Lou, vous savez, 30 secondes pour vous parler, pour essayer de trouver la bonne réponse à cette question. Petit changement de casque, moi ça permet de vous dire que vous pouvez envoyer A, B, C ou D par SMS au 63939 pour gagner la somme de 5000 euros. Non, je rigole. Envoyez pas, ça sert à rien. Alors, du coup, vous êtes prêts de votre côté? Oui. Attention, 30 secondes pour répondre à cette question. 3, 2, 1, top. Quelle couleur doit-on mélanger pour obtenir du violet? A, du rose et du bleu. B, du bleu et du rouge. C, du jaune ou du vert. D, du rose ou du rouge. Normalement, les couleurs primaires, c'est le bleu, le rouge et le jaune, il me semble. CMJ. Donne-moi ta réponse. Mais du coup, ça peut pas être le rose. Donc, c'est le bleu et le rouge. 3, 2, 1. Top. Et du coup, rechangement de casque. Elle était en train de me faire un cours sur les couleurs primaires alors que moi je veux juste la réponse. On a failli ne pas avoir la réponse, mais justement, quelle est cette bonne réponse? Quelle couleur doit-on mélanger pour obtenir du violet? Du coup, je donnerai la même que la sienne, donc c'est du bleu et du rouge. Alors, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean Iridium. Tu aurais pu demander à combien de pourcentage elle était sûre. Et tant pis si j'ai tort. Elle arrive avec son truc de couleur primaire, donc au pire, même si j'ai perdu, c'est de sa faute, donc c'est pas grave. La bonne réponse est bien sûr B, du bleu et du rouge. Où vous restez, pour ma plus grande bien joué. Et Tatane, prépare-toi, on sait jamais. Peut-être qu'on va t'utiliser à la prochaine question. Du violet clair. Du lila, d'accord. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question? Que veut dire LOL sur internet? Que l'on rigole, que l'on est triste, que l'on est en colère, que l'on ne comprend pas. Donc l'anagramme du coup de LOL c'était Laughing of Love, chose comme ça. Donc je pense que c'est que l'on rigole. Je vais mettre la réponse A et c'est mon dernier mot. Très bien. Eh bien, c'est enregistré. Il est temps de découvrir. Nous allons découvrir quelle est cette bonne réponse qui est que l'on rigole. Bien joué. C'est effectivement la bonne réponse. Félicitations. Et bientôt le premier palier qui arrive. C'est là encore de la ressource, la Margaret, hein? Vous voyez? Avec notre prochaine question. Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre. Sous quelle forme l'eau est-elle invisible? Sous forme de vapeur, sous forme de buée, sous forme de gel, sous forme de glace. Alors, glace, pas possible. Gel non plus. Sous forme de buée ou de vapeur. J'hésite un peu. Je rappelle quand même que tu as encore 3 jokers. 50-50,
L'aide de Tatan ou le switch? Le problème du 50-50, c'est qu'ils vont virer la C et la D. Donc elle est pas très utile. C'est une question qui est ultra pétée. Hein. Parce que la buée sous forme de condensation sur les vitres, bah, on la voit quand même, puisque tu peux faire des petits dessins. Par contre, sous forme de vapeur... pas, j'hésite. Ah. Un joker peut-être, du coup. Écoute, je vais prendre le 50-50, hein, même si derrière, je sais que ça va être le C ou le D, c'est mon dernier mot, je vais prendre le 50-50. Très bien. Regardons et clipons tout ça dans quelques secondes. 50-50, ordinateur. L'ordinateur va maintenant retirer deux mauvaises réponses, ce qui devrait vous aider. Voici l'ordinateur qui t'a aidé. Merci l'ordinateur. J'irai sous forme de vapeur, c'est mon dernier mot, Jean Aeron. Je te rappelais aussi que tu avais encore des jokers à utiliser. Est-ce que tu as fait un pas trop vite? Il fallait faire un choix. Va-t-il et passer le premier palier? Est-ce la bonne réponse? La réponse est... Bien joué! Bien. Bravo. Il faut se faire confiance, Natago, il faut se faire confiance. La buée, tu la vois en fait sous forme de condensation sur les vitres. C'est ça. Oui, parce que ça, c'est pas la vapeur d'eau que tu vois se dégager. C'est le dioxygène. Qui a été élu président des États-Unis en janvier 2009? George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump ou Bill Clinton? Un mandat présidentiel américain, c'est 4 ans. En France, c'est 5 ans, c'est un quinquennat. Du coup, Trump, c'était 21. Enfin, 20, 21. 18, 19, 17, 16. Je rappelle qu'il y a toujours des jokers à utiliser. L'appel à Tatan. Le switch. Puis juste avant, il y a eu Obama une fois, Obama deux fois. Puis Bush, puis Clinton. Ou Clinton, puis Bush, je sais plus. 2009. 2010, 2011, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020. C'est du coup Barack Obama si je suis ce moment-là. 2009, 2010, 2011, 2013. 2013, 2014, 2015, 2016. C'est Barack Obama. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Je choisis la réponse B. Vous savez désormais quelle sera ma... Vous avez dit c'est votre dernier mot? Là. C'est le moment de découvrir... Personne qui a été élu réponse. En janvier 2009. Et on a bien dit en 2009 était... Barack Obama, bien joué. Cette question-là a failli me rendre chèvre, dites-moi. Prochaine question. Tu arrives maintenant. Une nouvelle question va vous être proposée. Oh, lequel de ces noms n'est pas celui d'une fusée? Ariane, Kourou, Soyouz.
Vega, Iron Iridium. Soyuz et Ariane existent. Je vais dire la réponse B, Goku. C'est mon dernier mot, Iron Iridium. Réponse B, et tant pis si j'ai tort. La bonne réponse. Que cette fusée que nous recherchons est... Il est temps de découvrir la bonne réponse. Goku, bien joué. Les risques ont payé, c'est une bonne réponse. Bien joué, Nat. Non mais là, franchement, 4000 étoiles. Faut pas faire ce genre de frayeur, hein. Prochaine question, du coup, pour 8000. La voici. La partie se corse dès maintenant, avec cette toute nouvelle de question. Quel pays ces villes, Saragosse et Tolède, sont-elles des villes? Est-ce que c'est l'Italie, l'Espagne, la France ou l'Allemagne? Saragosse, Tolède et... Est-ce qu'il me reste un joker ou pas, du coup? Il te reste juste l'appel au public, c'est ça? L'appel à Tatan ou le switch. Ok. Pas l'Allemagne. C'est pas la France. Je me doutais que t'allais dire ça. Moi j'habite à Séville. Hein. J'habite à Saragosse. Et viens me voir à Tolède un petit peu quand même. Non. Séville, Saragosse et Tolède. Tolède. C'est vraiment entre Italie ou Espagne. Mmh. La ville de Séville. Écoutez, je vais essayer d'appeler Tatan, en espérant qu'il ait la bonne réponse, parce que sinon je suis un peu cuc. D'accord. Donc Tatan, si tu es sur le live actuellement, on a besoin de toi. Quelle est la bonne réponse à cette question pour toi? De quel pays Séville, Saragosse et Tolède sont-elles des villes? Est-ce que c'est l'Italie, l'Espagne, la France ou l'Allemagne? N'hésite pas à écrire ta réponse. Et Tatan qui a écrit à une vitesse, je peux te le dire, Natago. Espagne à 3000%. Ah ouais, l'Espagne alors. Est-ce que c'est ton dernier mot? À mon dernier mot, je fais confiance à la Tatan. Et je dis la réponse B. Oui, la B. C'est votre dernier mot? Ne jamais faire confiance à Tatan du 59-2. Car la bonne réponse était l'Espagne. Bien joué. Et Tatan, deux tours de roue pour toi. C'est qu'elle a encore de la ressource, la Margaret, hein. Vous voyez? Prochaine question. Qui arrive dans quelques instants. La question à 16 000. Réussirez-vous à répondre aussi bien à cette nouvelle question? Quel est le plus grand serpent du monde? Et merci en tout cas, Tatan, pour cette bonne réponse. L'anaconda géant, la vipère, le boa, le python réticulé. Il me reste mon switch, non? Il te reste le switch et le dernier joker, oui. Je suis à quel palier? Tu es à la question numéro 8. 8000. Mon but va être de battre Lou, évidemment. Il nous reste deux questions, deux bonnes réponses pour pallier au palier, pour passer au palier des 24000 étoiles. Pas la vipère. On va toujours parler du anaconda géant, mais surtout le boa constrictor. Disons que le boa étant le serpent le plus grand du monde. Python réticulé et vipère, ça me dit rien de toute façon. L'anaconda géant. Aussi connu sous le nom de Jiraya. Salut Velux. Comment tu vas? Ça me ferait chier de perdre sur cette question. On est en plein jeu de qui veut gagner des millions ce soir avec Natago, qui est ici là sur le côté. Je vais dire le boa. N'oublie pas qu'il te reste le switch.
Ou j'ai pas envie de switcher sur cette question. Je veux dire le bois. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, Jean Iron. Ce n'est pas faute de t'avoir dit plusieurs fois d'utiliser le switch et de voir te le faire utiliser. Et la meilleure des réponses est sans doute la C. Le plus grand serpent du monde, Nat. Que cela. Oui, c'est mon dernier mot. Tu voulais dépasser Lou, mais malheureusement, la bonne réponse était c'est le piton réticulé. Je suis désolé. Eh bien voilà. Toi t'as des questions ultra tard, moi j'ai piton réticulé. Vous avez joué avec le feu. Dommage Natago, dommage. Mais vous ne repartirez pas les mains. Tu repars quand même avec 1000 étoiles, bravo en tout cas, bien joué. Ah bah oui. Bien joué en tout cas quand même. C'est vrai que les questions étaient un peu plus compliquées de ton côté. Mais en tout cas, Tatan, pour avoir aidé justement notre ami Natago sur cette partie, tu gagnes du coup deux tours de roue, en espérant peut-être pour toi deux clés Steam. Pourquoi pas, nous allons voir ça dans quelques instants. Voici le premier tour de roue pour toi. Alors, qu'est-ce que tu vas gagner? On va le savoir. Voici du coup... En premier, ça sera relance. Donc on va relancer du coup pour ton premier tour du coup. Trois tours de clés, c'est génial. C'est magnifique. Peut-être pour trois clés stream, c'est faux. Deux au maximum. Allez, deuxième tour du coup, qui est fait. Et qui va s'arrêter sur aïe. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas grave. Tu as ton deuxième tour de roue, car tu avais donné la bonne réponse. Dommage. Aïe. Là voici du coup cette deuxième tour de roue pour toi. Sur quoi vas-tu tomber? Une coulée stume pour la tatane quand même. Et ça serait bien au moins 1000 points qui arrivent peut-être. Et la réponse est non. Raté. Dommage, j'en ai pas passé loin. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser vos iron points pour le défi. Il vous reste moins de 25 jours pour que je mange un paquet de chips ultra piquants en live. N'hésitez pas à utiliser vos iron points pour faire augmenter ce défi. On est à 31% déjà de collecter. GG à vous. Si vous souhaitez, justement, merci Natago, ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Si vous souhaitez justement faire comme Tatan, tenter votre chance pour jouer ce soir avec notre Joker appel un ami, pas de souci, vous pouvez le faire encore maintenant, c'est possible. Il nous reste encore deux petites sessions ou trois, on va voir en fonction de l'heure. La prochaine personne qui va nous aider, c'est Dapan. Alors, je propose de reswitcher, tiens d'ailleurs, chez vous. Lou, est-ce que tu vas essayer de battre ton record? Allez, bah vas-y, on fait ça, allez. On va essayer que Lou bat son record de 150 000 étoiles qu'elle a fait tout à l'heure. Et j'espère que tu vas aller le plus loin possible, j'espère pour toi. Oula, qu'est-ce qu'il me fait J'ai un doute. Alors, que j'aurai de nouveau les mêmes choses. Je vais vraiment pas regarder tous les écrans, etc. Ouais. Okay. Ouais. Je vais AFK. AFK réellement. Dans l'autre pièce pour sur le balcon. Si jamais il y a vraiment le truc. Tu peux te démute. Tu vas pas me démute, tu vas m'appeler. Mais ah ouais carrément. Sinon tu prends juste tu ah nous non, entends. Non, tu vas m'appeler. Mais non, comme ça je vois pas la question et comme ça t'es vraiment obligé de me donner tout l'intérêt. Mais oui, mais tu question. Nous entends. Non. Tu vas pas prendre ton casque. Non. Ok. Tu m'entendras pas. Mais je vais m'appeler sur mon téléphone. Sur ton téléphone. Sur téléphone. Okay, du coup je mettrai en haut-parleur ici. Du coup en haut-parleur. Et t'auras vraiment 30 secondes et tu fermes dès que c'est bon. Ok, ah, mais c'est du coup magnifique. Quelqu'un d'autre pourra faire les 30 secondes. Parce que moi je saurais pas gérer l'appel et les 30 secondes, tu me demandes beaucoup, attends. Tu me mets en haut-parleur, tu regardes, dès que tu vois que c'est marqué 0030, tu coupes. Mais moi j'ai pas les mini secondes, le mais ok. Avant-dernier pack. Ça va, j'irai. Et la prochaine personne du coup qui doit t'aider dans le public, c'est Dapan, du coup Lou. J'espère qu'il va te porter chance, Dapan, ce soir. Avec qui veux-tu jouer en personnage du coup? Tu as ouais, Nadia. Nadia oui, lui, c'est très bien. Georges oui, voilà. Allez, bon, on y va. Parce que j'aime bien ses bretelles. Allez. Allez, c'est parti, on y va. Bonne chance à toi, Lou. Bonne chance à toi, Dapan, pour deux tours de roue qui arriveront peut-être pour toi ou un tour. Nous le saurons dans quelques instants. Jouons tout de suite à qui veut gagner des millions. Hein ?
sinon je t'appelle sur Facebook en fait. Ou oh, sinon, Lou, tu peux donner le numéro de téléphone en direct, hein, y a pas de soucis. Hein. Et bienvenue sur Fatou. Il est encore sur Discord. Ah mince, il a entendu. Et bienvenue sur le plateau de qui va gagner des millions. Et voici notre première question. Bah du coup, si tu es sur Discord, t'entendras quand même les questions. Quel sport est représenté dans la série de jeux vidéo FIFA ? Est-ce que c'est le basket, la pétanque, le waterpolo ou le football ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des questions sur le football ? Putain, expliquez-moi. Bon bah, du coup, réponse D, Iron. Très bien, est-ce que c'est... Dernier mot. D'accord, très bien, c'est noté. Je vais dire la réponse. Merci Savis pour tes points, en tout cas pour le défi, c'est ça me fait plaisir. Quelle sera la bonne réponse ? La bonne réponse était bien sûr le football. Bonne réponse à toi. Voilà une bonne réponse. Bravo. Ah, c'est parfait ça. Voici une nouvelle question pour vous. Prochaine question. Quel est le premier homme à avoir marché sur la Lune ? Est-ce que c'est Neil Armstrong ? Est-ce que c'est Buzz l'éclair ? Buzz l'éclair, bien évidemment. Thomas Pesquet ou Pierrot, notre ami Pierrot. Tout le monde le sait que c'est Buzz l'éclair. Ah, allez, je vais répondre la réponse A. Est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Juste pour le plaisir, est-ce que tu pourrais faire la chanson de Pierrot ou pas ? Non, du tout, je ne vois pas qui c'est. Non. Honte sur moi. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Pierrot. Lune. Non, passe-moi ta plume pour écrire un mot. Allez, Neil Armstrong. Ma chandelle est morte. Je vais choisir la réponse A. Semblait être convaincu. Et ce sera mon dernier mot. La bonne réponse à cette question était bien sûr Neil Armstrong. Bravo, bien joué. Toute attente, c'est la bonne réponse. Et voici notre prochaine question. Il a l'air étonné lui-même. À vous et vos connaissances pour cette nouvelle question. Quel est l'appareil reproducteur femelle des fleurs ? Le persil. Est-ce que c'est le persil, le pastis, le pistil ou le pustule ? Bon là c'est vraiment une question troll hein, parce que donc, tout le monde le sait quand même que c'est le pistil. Réponse C. Est-ce que c'est ton dernier c'est mot ? Mon dernier mot. Très oui, bien. Tout à fait. Très donc, bien Lou, c'est noté. Et nous avons du coup ce soir, finalement, sur cette question, une bonne réponse. Bravo, bien joué. Bien que moi j'ai envie de répondre toujours avec des réponses trolls, hein, genre bien envie de répondre le pustule. Ou le pastis aussi, oui. Oui, le pastis. Comment... J'aime pas trop l'anis alors. Alors justement, t'aimes bien les plantes, continuons dans ça. Comment se nomment les plantes qui se nourrissent d'autres êtres vivants, principalement des insectes, entre parenthèses, des plantes à mouches, des planctons, des plantes carnivores ou des menthes religieuses. Les menthes religieuses. Non, c'est les plantes carnivores. Réponse C. Est-ce que c'est... Et ça, c'est... Oui, effectivement, je te devance sur ta question, c'est mon dernier mot. C'est ma dernière question, non, c'est mon dernier mot. Je choisis la réponse C. Aurais pas-tu, par contre, mélangé des plantes à mouches avec des plantes carnivores ? Bah, les plantes carnivores, en fait, ça englobe pas seulement les plantes à mouches, hein, ça va être... Enfin... Il y a celles qui se ferment comme ça, il va y avoir celles qui vont pouvoir aussi avoir enfin, qui sont comme ça, avec les insectes se noient dedans. Il va encore avoir aussi dès qu'ils se recoupent comme ça, qui sont avec plein de colle, de la sève très collante sur leurs plantes. Et c'est le fait qu'en fait, qu'elles sont toutes capables de digérer tout ce qui sera être vivant ou insecte. Et ça existe certaines qui vont aller même jusqu'à bouffer des petits rongeurs. Donc c'est carnivore. Très bien. Alors du coup, découvrons notre bonne réponse sur cette question. Après une magnifique prestation de Lou, la bonne réponse était des plantes carnivores. C'est la bonne réponse. Bien joué. Prochaine question, une question facile qui va arriver sur ton écran dans quelques instants. Bonne chance à vous pour cette voici. Question. Quelle langue est parlée en Irlande ? Est-ce que c'est le français ? L'irlandais ? L'anglais ? Ou le portugais ?
Laissez-moi réfléchir. Est-ce que l'irlandais, c'est vraiment une langue? C'est pas juste genre le nom de... Allez, comme le belge, on parle pas le belge, mais on est des belges, tu vois. Je veux dire, oui, je vois. L'irlandais, c'est un peu le même genre, tu vois. Je parle. Est-ce que c'est vraiment une langue? Est-ce que c'est vraiment un truc parlé? Parce que moi, j'aurais plutôt tendance... Enfin, oui, pour moi, l'irlandais aurait parlé l'irlandais comme le suédois parlerait le suédois, tu vois, mais... Je te rappelle qu'il y a encore des jokers utilisés, le 50-50, ah. Le coup de fil à Natago, le vote de Dapan, ou le switch. Je vais demander le vote de Dapan. Le vote de Dapan. Est-ce que ce vote... sera le bon ce soir avec Dapan, peut-être deux tours de roue pour toi si tu es là. Nous avons une question pour toi. Quelle langue est parlée en Irlande? Est-ce que c'est le français, l'irlandais, l'anglais ou le portugais? Il y a Lou qui a besoin de toi sur cette question. Et là, il y a peut-être Nat qui est en train de dire « Mais non, t'aurais dû m'appeler !» Je ne sais pas, il est dehors, il est peut-être occupé à se geler les miches, mais je ne sais pas. Demain, il va ressortir avec un rhume demain. Je ne le regarde pas. Et oh, punaise, pour le stream d'Iron, qu'est-ce que je fais? Alors, Dapan, qui nous dit, du coup, qui a répondu l'anglais à 1000%. Ouais, bah, c'est ce que je me serais dit aussi de base, mais... enfin. J'ai peur de confondre avec d'autres pays, genre l'Écosse, tu vois. L'Écosse, je sais que on dit écossais, mais c'est un peu comme si on dit l'alsacien ou des trucs comme ça. C'est des façons de parler avec certains mots qui sont bien à eux, mais ça reste quand même une langue autre. Et du coup, je me demande si l'irlandais, ça serait pas un peu pareil aussi. Et du coup, je dirais effectivement l'anglais. Allez, L'irlandais, alors irlandais, c'est un dialecte moins parfait, c'est ce qu'écrit Dapan. Oui, bah voilà, c'est ça, c'est dialecte, c'est le mot que je cherchais. Tu vois, je me dis, est-ce que ça serait pas ça du coup, juste un dialecte, mais que du coup, de manière générale, ça reste l'anglais, comme ben comme je disais, en France, on peut parler plein de dialectes qu'on va nommer comme des noms de langue, mais qui ne sont pas vraiment une langue vraiment à proprement parler. Donc du coup, ta réponse serait... Je vais dire C. Je vais faire confiance à Dapan. Je te rappelle encore qu'il te reste des jokers. Oui, mais on va dire qu'on va faire une fois confiance. Allez. Très bien. Est-ce que de toute façon, il va me répondre quoi? Il va me mettre de nouveau l'anglais et l'irlandais si je fais le 50-50. Donc ça, je vais pas faire. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Je vais tenter la réponse C. La bonne réponse. C'est finalement la question que vous redoutez le plus. À cette question était... L'anglais, c'est bien joué. Merci. Premier palier, merci Dapan. Deux tours de roue pour toi. Et voici notre prochaine question. Notre équipe de rédacteurs vous propose une nouvelle question de leur meilleure crue. Comment s'appelle notre galaxie? Omega Centauri, Andromède, Nuage de Magellan ou Voie Lactée? Ben, j'ai fait à peu près la même chose que lui. ben, en fait, comme ça, j'en ai aucun qui me vient. Je dirais la Voie Lactée. Mais... En fait, le Nuage de Magellan, il me semble que c'est quelque chose que nous, on peut voir... Depuis là où on est, il me semble que ça va être un truc qui est très loin dans le ciel, qui est une nébuleuse. Mais qu'il faut avoir un très bon télescope, hein, ça, dessus, on est d'accord. Mais du coup, ce n'est pas l'entièreté de notre galaxie. Je pense que du coup, ça serait la Voie Lactée. Mais parce que les deux autres, ça me dit absolument rien. Du coup, je vais prendre un 50-50. Est-ce que t'es sûr d'utiliser le 50-50? Non, allez, voilà que t'es. Allez, D, réponse D.
est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Je choisis la réponse D. Lou, pourquoi ne pas avoir utilisé ton 50-50? Parce que je me dis que si maintenant il me disait un des autres, ça m'aidait quand même pas. Et le switch, non? Au cas où? Ou Nat? Bah, le switch, je pourrais l'utiliser sur une question plus haut. Allez, voyons si c'est la bonne réponse. On parlait bien de notre galaxie, Lou. La bonne réponse était... Voie lactée, c'est bien joué. Une bonne réponse trouvée en toute tranquillité. Les autres, je dis, ça me disait absolument rien. Donc, Voie lactée, j'ai déjà entendu, donc je me dis qu'on a dû la prendre à un endroit... Après, j'avais un joli t-shirt comme ça avec la Voie lactée. C'était un truc, une brique de lait qui renversait la Voie lactée. Mais en tout cas, bien joué, en tout cas. Avec un petit chat. Qu'est-ce que l'astrologie? Continuons sur cette lancée. L'étude des étoiles et des planètes. L'étude de l'univers, de l'origine de l'univers. L'étude de la divination ou l'étude de la magie? Bah, en fait, l'astronomie, c'est l'étude des étoiles et des planètes. L'astrologie, moi je dirais que c'est quelque chose par rapport à la... Allez, quand tu vois ton horoscope, quoi. Et du coup, je dirais de la divination. Oublie pas que tu as des jokers à utiliser au cas où. Ouais, non, non, mais si je veux me battre, il faut que je garde mes jokers pour plus haut. Mais les alors jokers ne servira à rien si tu perds maintenant. Oui, mais je vais quand même dire la réponse C. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Réponse C, comme c'est le bon choix. Après, si je perds, et ben tant pis. Il y aura peut-être un de vous deux qui gagnera, qui me dépassera. Et ça sera pas moi-même. La bonne réponse à cette question. Il est temps de découvrir la bonne réponse. L'astrologie était l'étude des étoiles et des planètes. Ah, mais j'étais sûr que c'était l'astronomie, moi. Je le savais. Désolé, c'était pas la bonne réponse. C'était un si beau démarrage. Tant pis. Malheureusement, aïe. Et j'ai même pas pu appeler Nat. Et même pas, on n'a pas pu tenter le téléphone, quel dommage. Bon, 1000 étoiles en tout cas, bien joué. Le 150 000 était épique tout à l'heure, ça restera souvent. Et ça restera gravé, je pense, sur le stream. Ici, je sais pas ce qu'ils ont eu, ils ont voulu me faire un truc genre, viens, on va partir sur l'espace. Ah, ils ont voulu. Est-ce qu'on relaisse Nat dehors et on en refait une? J'ai perdu. Ah, alors j'ai perdu très rapidement parce que je me suis trompé. Du coup Dapan, on va tourner la roue pour toi. Du coup, deux tours de roue d'ailleurs pour toi. Le fait de pouvoir t'appeler en appel. Et du coup, est-ce que on relance une partie avec Iron? Oui. Il dit oui. Il dit que je peux relancer une partie. Pas de soucis, écoute, j'ai fait tourner la roue pour Dapan. Dapan, oh là 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 là. Oh là là, cette case qu'il fallait pas tomber dessus. Non. Non. Moins 1000 points pour le défi. Je suis dégoûté. Bah écoute, y a pas de soucis, on va mettre 1000 points au moins du coup. Ah là là. Il a droit à deux tours, t'as déjà fait le premier. Voilà, le premier en tout cas c'est moins 1000 points. Et le deuxième du coup... qui va arriver. Alors, moins 1000 points. Ça m'arrange pas les moins 1000 points du coup, hein, Dapan. Et deuxième, c'est relance. Allez, on relance du coup pour ta deuxième roue. Sur quoi tu vas tomber? Ah là là. Il y a Spicy qui est content du coup de voir les moins 1000 points du coup. Assez sûr et certain. Et encore moins 1000 points, non sérieux, mais ce soir c'est ce qu'il fallait pas faire. Ce qui fait moins... Je pense que Dapan porte pas beaucoup chance à toi, du moins. Moins 2000 points, oh punaise. Tous les points que Nat il a mis aujourd'hui, ça n'a servi à rien. Ils sont déjà repartis. Et bah voilà, ce soir Dapan enlèvera 2000 points. Je brille. Ah bah oui, bah je c'est sûr. Je conduise. Ah là là. C'est énorme. Merci Dapan en tout cas pour tes deux tours. Si quelqu'un d'autre veut s'inscrire, alors je regarde s'il y a encore des personnes. Non, il n'y a personne qui veut s'inscrire. Est-ce que quelqu'un veut s'inscrire dans le chat?
Ah oui, bah du coup, bah, Nat, il sera obligé de mettre 500 pour rattraper un peu le fait que t'aies perdu 2000. Et sachant en plus que vous avez encore le droit de tour de roue, d'ailleurs, hein, chacun, je vous rappelle, hein, Nat et Lou. Mais bah, j'espère qu'on va pas se faire encore perdre des trucs. Oh bah, enfin, moi, c'est le défi arrivera plus rapidement, en fait, hein, c'est pour ça. Hein. Alors, bon, il n'y a personne, donc on va devoir vraiment utiliser le vote du public, hein, vraiment, dans le jeu, ça serait vraiment dommage. Bon. Eh ben écoute, on va lancer une partie avec le vrai vote du public. Alors par contre, bonne chance. Parce que je peux te dire qu'il va te servir à rien. Vraiment. Ou alors, ce coup-ci, j'aurai peut-être beaucoup de chance. Mais du coup, je veux bien reprendre le personnage que j'avais au tour 1. J'avais des questions plus faciles. Ah écoute, on va essayer. C'était le personnage, tu vois, on sait pas. Alors c'était du coup... Disent, c'était... Non. Shun Pablo, non. Margaret, non. Ruben, non. Lindsay. Oui. Lindsay. Lindsay. Allez. On y va, c'est parti. Jouons une nouvelle fois à qui veut gagner 2 millions avec Lou. Alors ce soir, il y a quand même des choses à vous donner quand même. Hein. Une clé à FilmSec, une clé à Spicy qui est moins 2000 points à enlever. Et ben bravo en tout cas à tout le monde. On est parti. Pour notre première question. Et c'est parti pour une toute nouvelle question. Comment se nomme le hérisson bleu et supersonique ? Est-ce que c'est Ralph, Mario, Tintin ou Sonic ? Bon, je ferais honte à toute ma génération si je pouvais pas répondre à cette question. Donc oui, bah, tu l'as déjà mis, hein, Sonic, on est d'accord. Sonic, est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Parfois, il faut savoir. Très bien. La bonne réponse, allez, c'est bien sûr... Tintin, et tu as perdu. Oh. Bon bah on recommence encore une fois, on a toujours pas appelé Nat. Et Nat, il va être un glaçon dehors, tu sais. C'est la bonne réponse. Allez, bravo, bien joué. J'ai eu très chaud cette fois-ci. Adapan qui utilisera encore un autre compte du coup qui va t'aider. Parce qu'il y avait... Il y en a 36 des comptes, il n'y a pas de soucis d'Apan. Vaut mieux qu'on utilise toi que le Joker, en tout cas, vote du public, donc il n'y a pas de soucis. De quel instrument jouait Justin Bieber à ses débuts ? Est-ce que c'est du violon, de la guitare, du trombone ou du triangle ? Mais moi, j'étais pas fan de Justin Bieber. Hein. Ah. Oh, je ne l'ai jamais vraiment apprécié. Hein. Et du coup, tu n'as pas la réponse à cette question. Non, je n'ai absolument pas la réponse à cette question. Je te rappelle que tu as des jokers, bien sûr, le 50-50, oui. L'appel à Natego, le vote à Dapan, du coup, ou le je Switch. Je ne pense pas que Nat pourra y répondre, donc je ne vais pas l'ennuyer pour une question sur Justin Bieber. Et je préfère garder Dapan pour plus tard. Ouais. J'ai dit mon Dapan et c'était pas voulu. Je voulais dire mon Joker Dapan. C'est pas grave. Du coup, je vais faire le Switch. Le Switch. Très bien. Si tu devrais donner une réponse à cette question, un feeling qui serait venu comme ça. Pas, j'aurais dit genre du trombone ou un truc, enfin un truc nul, tu vois, j'aurais fait un truc qui était pas du tout glamour parce que... Très bien, switchons voilà. Cette question, la bonne c'est réponse était... De switch et de changer totalement de question. De la guitare. Tu vois, j'aurais pas pu répondre parce que donc, je ne le voyais pas jouer de la guitare. À vous, très bon joker du coup. Et voici du coup notre prochaine question. Quel est le nom de la plus grande ligue de basketball au monde ? Est-ce que c'est la NBA, la NBB, la NBC, la NBD ? La NBA. Est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Je pense que c'est la réponse A. N'aurais-tu vous pas confondu avec la NBC ? La NBC ? La bonne réponse. La preuve, c'est que la NBA, tu l'as dit correctement. Les autres, tu les as fait à la française. Bah oui, bah bien sûr. Ça fait exprès quand même, faut bien t'aider. Que fait le chat ? Est-ce qu'il aboie ? Est-ce qu'il jappe ? Est-ce qu'il miaule ? Est-ce qu'il siffle ? Mais c'est... Bon, là, je suis d'accord que je voulais avoir des questions faciles, mais là, c'est pire que facile, quoi, tu vois. Bon, réponse C.
Emiole, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Miaou. Il faut tenter le diable parfois. Allez, réponse C. Comme c'est tenter le diable. Après, oui, les chats, ça peut être considéré comme des diables. Et la bonne réponse n'était absolument pas. Il jappe, c'était bien sûr une miaule. Et pourtant, c'est bien joué. Bonne réponse. Bien joué. Et voici du coup notre prochaine question. La recette du succès. Faites-vous confiance. Laquelle de ces lettres est une voyelle? X, Z, Y, T. Pas trop difficile, encore une fois, comme question. Réponse C, s'il te plaît. C'est ton dernier mot? Oui, tout à fait. Au culot, je dirais la C. Allez. Et la bonne réponse à cette question. Mon dernier mot. Le choix est fait. Laquelle de celles était une voyelle était la réponse. C'est bravo, bien joué. Bravo. Et on continue d'avancer. On et notre relâche pas. Prochaine question pour notre premier palier. Temps de passer à une nouvelle question. Dans quelle ville Clovis a-t-il été baptisé? Est-ce que c'est à Reims, à Paris, à Nancy, à Grenoble? Est-ce qu'on m'en veut si je dis que je sais pas du tout qui c'est Clovis? Ah. Bah écoute, je peux te dire que tu as des jokers à utiliser, le 50-50. Je pense que ça va être ça. Le coup de fil à Natago ou le vote à Dapan. Les questions histoire sont quand même difficiles quand on s'y connaît pas, c'est vrai. Je veux dire, vote de Dapan. Le vote de Dapan, très bien. Dapan. Une petite question pour toi, juste avant d'arriver à ce premier palier. Une question assez facile, mais pas pour Lou, malheureusement. Dans quelle ville Clovis a-t-il été baptisé? Est-ce que c'est Reims, Paris, Nancy ou Grenoble? As-tu une bonne réponse, un mot à dire à Lou pour l'aider? C'est maintenant. Et deux tours de roue, bien sûr, si c'est la bonne réponse. Donc pour l'instant, Dapan se tâte un petit peu. Enfin, pas se le cacher. Pas de réponse de Dapan. Et t'as vraiment aucune idée. Je n'ai aucune idée de qui c'est, donc... Ok, Dapan a crash, ok, bah écoute Dapan, justement c'est ton moment, c'est maintenant, il faut répondre à cette question pour aider Lou. Si j'avais au moins une petite piste sur qui c'était, ou peut-être que j'aurais pu, on va dire, déduire, mais je connais absolument pas. Écoute, pas de soucis, hein, les jeux. J'ai déjà entendu ce nom, hein, mais maintenant le replacer et tout... Alors, du coup, la réponse nous dit Clovis. Enfin, Dapa nous dit Clovis, c'est un roi et il est né à Reims. À combien de pourcentage es-tu sûr, Dapa? Oui, il est né à Reims, mais c'est là où il a été baptisé. C'est pas forcément où t'es né que tu es baptisé. Et Clovis, c'est un roi et la réponse est A. Voilà ce qu'il y a écrit. Hein. Après, à combien de pourcentage es-tu sûr, Dapa? Oui, Iron sait pas dire, oui, c'est vrai que... Je voulais faire le présentateur du coup en même temps. Mais Clovis c'est un roi et la réponse c'est A. Voilà. Allez. Ouais, je vais dire A alors. Je vais faire totalement confiance. Et il nous dit à 100%. La première fois il était sûr et j'ai pu en fait lui faire confiance. Donc là je refais pareil. Je fais A et c'est mon dernier mot. Très bien. La réponse A. Va-t-on faire confiance à Dapan une deuxième fois pour passer cette prochaine question? La réponse est Reims. Bravo, bien joué. Allez, c'est pas grave, on garde tous les jokers et on va le plus haut possible maintenant. Après, je suis belge, c'est peut-être pour ça que je connais pas Clovis. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Hein. T'auras peut-être une question plus facile maintenant. Nouvelle question en approche. Bonne chance à vous. Quel est l'infinitif du verbe dans la phrase suivante? Les enfants ont mangé à la cantine. Est-ce que c'est mangeront, mangera, manger? Ou manger. Alors, avant que tu commences à réfléchir, si tu me dis Dapan Natago, ça va être épique.
Je vais pas le faire quand même sur un truc aussi nul. L'infinitif, je sais quand même ce que c'est. Je veux dire, je suis nul en conjugaison, d'accord. Mais l'infinitif, tout le monde sait que c'est juste le verbe qui n'est pas conjugué. Donc c'est la réponse C, avec manger, avec ER. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Très bien. Et si maintenant c'est pas le cas, maintenant je vais me terrer dans un trou. Mettons-nous d'accord. C'est mon dernier mot. Je vais avoir très honte. Retenons ce que vient de dire Lou. La bonne réponse est bien manger. Bravo, bien joué. Cela paye, puisque c'est la bonne réponse. Bravo, mais j'imaginais au téléphone. Alors, est-ce que c'est manger, manger, mangeons. J'imaginais bien. Voici notre prochaine question. Aussi bien à cette nouvelle question. Par qui les Jeux Olympiques ont-ils été inventés? Par les Français? Par les Allemands? Par les Grecs? Par les Américains? Alors là, Je suis quasiment sûr que c'était les Grecs qui ont fait les Jeux Olympiques en premier. Oui. Donc je vais répondre C. Et garder mes jokers pour continuer à monter toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. Oh, petite RF à Olivier Mine, coucou à toi. Donc et du coup... c'est mon dernier mot. Ok, très bien. Je dirais réponse C, sans hésiter. La bonne réponse, les Grecs, est-elle la bonne? Il est temps de découvrir la bonne réponse. Les Jeux Olympiques ont été inventés par... les Grecs. Bien joué. Et c'est la bonne réponse. Calme et sérénité. 4000 étoiles, bravo, bien joué. Je pense que Nat s'en Nat va dormir. Vous êtes prêt à braver les pièges de cette prochaine question? Pourra-t-on l'appeler sur cette question, peut-être Nat? Lequel de ces chanteurs n'a pas fait partie du groupe anglo-irlandais One Direction? Est-ce que c'est Liam Payne, Harry Styles, Nathan Sky ou Zayn Malik? Alors, j'ai très 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 honte quand même, parce que je crois que je connais la réponse. Ah. Je sais que Harry Styles, c'est celui qui a les cheveux bouclés, donc qui est dans les One Direction. Je sais que Zayn Malik, c'est celui qui a fait par la suite une carrière solo, et donc il a fait partie des One Direction. Et il me semble que Liam, c'est un des petits blondinets. Du groupe, donc je pense que c'est Nathan Sykes qui n'a pas fait partie du groupe. Maintenant, vous dire si je suis sûr à 100%. Je te rappelle que tu as des jokers. Si tu n'es pas sûr, c'est le moment de les utiliser. Le 50-50 ou l'appel à Natago. Ouais, mais Harry Styles et Zayn Malik, c'est les deux plus connus. Donc si maintenant je prends le 50-50, je sens qu'ils vont me retirer ces deux-là. Et du coup, ça ne m'aidera pas. Et je ne vois plus Nat. Nat a sauté par la fenêtre, rien n'a fait mal. Alors du coup, que souhaites-tu faire, Lou? Bah, il est peut-être parti vraiment se coucher parce qu'il n'est même plus dehors. Je vais... Je suis pas sûre que Nat il soit calé en boys band, en fait. Je vais dire Nathan Sykes. Est-ce que c'est ton dernier mot? Je vais faire un 50-50 avant. Tu souhaites utiliser le 50-50? Ouais. Ah bah il est de retour. Ordinateur, du coup, retirez deux mauvaises réponses pour aider Lou. Ordinateur, s'il vous plaît, retirez deux mauvaises réponses. Voici le 50-50. Qu'est-ce que j'avais dit? Qui est utilisé? Je le savais, hein. Je t'ai dit, c'est les deux plus connus d'office, il allait retirer ceux dans lesquels j'avais aucun doute, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Il te reste, du coup, le joker Nat, ou répondre à la question, ou partir avec, du coup, actuellement, tes 4000 étoiles.
C'est nul 4000, hein. Par rapport à ce que j'ai fait avant, je veux dire. Ah oui, c'est sûr que comparé aux 150 000, oui. Je vais te dire Nathan Sykes. Est-ce que c'est... Je sais pas du tout qui c'est Nathan Sykes. Et Liam Payne, ça me dit quelque chose, donc je pense qu'il faisait partie de One Direction. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. En espérant que j'ai quand même j'ai l'occasion d'appeler Nat. Allez. Sinon, je l'appellerai pour lui dire que j'ai encore raté. La réponse à cette question. Et pourtant, tu as fait une bonne réflexion. Mais malheureusement... Vous semblez être convaincu de votre... Vous avez dit votre... Le chanteur, qui ne fait pas partie du groupe anglo-irlandais One Direction, était... La réponse... C'est bien joué. Ah, mon plus grand regret. Où vous restez pour ma plus grande satisfaction. Et vous restez. Voici c'est la bonne réponse. Notre prochaine question pour et toi. On continue d'avancer. Et on tu as 8000 étoiles, bravo, bien joué en tout cas. Vous. Et le Joker qui a été quand même utile, qui t'a conforté un petit peu. La j'étais presque certaine, lancée, mais bon, oui, c'est vrai. Aussi bon chemin. Lequel de ces noms n'est pas celui d'un des mousquetaires d'Alexandre Dumas? Est-ce que c'est Athos, Porthos, Albert, D'Artagnan? On va appeler Nat, hein. Ah, ok. Très bien. Je vais faire l'appel à un ami, du coup. L'appel à Nat, bah écoute, pas de soucis, tu as 30 secondes. Au pire, t'inquiète pas, moi, de mon côté, dans le casque, je te dirai stop, au pire, hein, si vraiment... Ok. Faut juste me laisser le temps de mettre l'appel en haut-parleur, que vous puissiez entendre. Oui, vas-y, pas de soucis, t'inquiète pas. Attends, et que j'éteigne... Moi, des... En fait, je sais pas te dire si Nat a mis le... a éteint le câble. Oui, il a éteint, ok. Attends, hein. Hop, ça, je peux du coup quitter avec celui-là parce que du coup, mon téléphone surcharge un peu. Dès que tu commenceras à lui parler, je compterai 30 secondes à partir de cet instant-là, hein, t'inquiète pas. Voilà, et du coup, je l'appelle. Allez. Tout de suite, elle l'appelle à Natago en direct. Comment je mets au haut-parleur? Ah. Attends, je suis un peu nulle. Je trouve pas. Ça, c'est pour mettre le micro, couper le micro, le Bluetooth. Mais est-ce que... Oh, mais mon casque est encore allumé. Attends, 30 secondes. Ah, ok. Ah bah oui, c'est voilà. Peut-être pour ça. Maintenant, je peux mettre le haut-parleur. Je me souviens qu'il y avait un son crade. Oui, c'était le casque qui était du coup pas éteint. Et donc maintenant, je suis du coup en ligne. Normalement, vous l'entendez. Oui. Alors, du coup. Vous, en direct de mon balcon, enchanté, tout le monde. Je te voilà, fais. Donc j'ai que 30 secondes, du coup, c'est je ça. Te coupe. Hein. Lequel de ces noms n'est pas celui d'un personnage d'Alexandre Dumas? Athos, Porthos, Albert ou D'Artagnan? C'est Albert. T'as déjà vu un mousquetaire qui s'appelle Albert? Albert, le quatrième mousquetaire. Moi, j'avais cette chanson-là, moi. Athos, Porthos, D'Artagnan et... Alors, D'Artagnan, c'est le quatrième. 5, Aramis, chose 4, comme ça, tu peux... bah, c'est Albert. C'est Albert? 2, Albert, ouais. Sûr, 1, sûr. 0. Voilà, bah du coup, j'ai voulu cliquer moi-même pour mettre Albert, mais je vais faire confiance à mon homme et on va dire Albert. Est-ce que c'est... Albert, alors c'est le cinquième mousquetaire et c'est pour ça qu'il ne fait pas partie des quatre mousquetaires. C'est un dessin animé qu'ils ont dû faire après, mais... Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, de toute façon, j'aurais pas pu répondre tout seul parce que, à part D'Artagnan, je connais personne. Je me dois de vous le demander. Le choix est fait. Mon dernier mot. Nous parlons bien des noms des mousquetaires d'Alexandre Dumas. La bonne réponse. Eh bien, Albert, bien joué. Prenez un minimum de risque. Mais vous en prenez. Plus de joker. C'est une bonne réponse. Bravo. Que la culture de loup pour arriver le plus haut possible. Génial. Mais la prochaine question arrive et c'est une question importante. Les questions se suivent et ne se ressemblent pas. Quel est le verbe? Dans la phrase suivante, les enfants courent à grande vitesse. Est-ce que c'est enfant, court, vitesse, grande? C'est vraiment genre des questions qu'on dirait
qu'ils ont pas censé être au-dessus des autres. Tu vois. Ça, c'est une question de niveau 1 ou 2. C'est pas une question de niveau 9, normalement. Mais c'est court, du coup, c'est réponse B. Attention, piège, est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot, parce que sinon, ça aurait été les enfants courent à grande vitesse dans la cour, éventuellement. Là, on aurait pu confondre, mais là, étant donné qu'il y a que cours... Je vais miser sur la réponse B. Court. Nous validons la réponse B et c'est votre dernier mot, c'est mon dernier mot. Allons-nous arriver au deuxième palier. La bonne réponse était... Cours et c'est bien joué. Bien joué, deuxième palier pour toi. Va-t-on arriver à la question des 150 000 ? Trois questions et je dépasse ce que j'ai fait. Tu vas devoir en répondre à trois questions minimum, oui. Dans quelle ville se déroule le troisième épisode de Fast and Furious ? Est-ce que c'est Los Angeles, Londres, Tokyo ou Paris ? Sachant que tu as la question à 24 000, tu dois répondre une bonne fois, deux bonnes fois, trois bonnes fois pour arriver à 150 000. Nat, il se... Les... Mordez. Ville se déroule le troisième volet de Fast and Furious. Je sais que le seul que je connais vraiment la ville dans laquelle ça se passe, il y a un Fast and Furious qui se passe à Tokyo. Les autres, je ne sais même pas dire si c'est le troisième ou pas, quoi. Je sais juste qu'il y en a un qui se passe à Tokyo. Avec l'autre qui... du coup, qui est le personnage asiatique, le personnage principal. J'ai pas toussé parce que je disais asiatique, mais j'ai toussé parce que je devais tousser. Prenons pas pour une raciste, alors. Voilà. ça fait très bizarre, on dirait que... Hein, c'est grave. C'était pas voulu. Il y avait pas besoin de le dire, t'inquiète. Hein. Voilà, mais du coup, bah, étant donné que je devais tenter le tout pour le tout, parce que je peux pas m'arrêter, je suis censé battre mon propre record et que je ne connais pas du tout les autres volets de Fast and Furious à part celui spécial Tokyo, je vais espérer que celui spécial Tokyo était l'épisode 3. Je vais un peu t'aider, sache que toutes les réponses à lesquelles tu as accès là actuellement sont passées dans des films Fast and Furious. Ah bah voilà, tu vois, comme quoi ça m'aide énormément. Comment tu veux que je sache lequel est lequel, quoi ? Je les ai jamais vraiment vus sérieusement, ni dans un ordre particulier, ni quoi que ce soit. Ça passait à la télé, je fais « Ok !» Bah, genre, je crois qu'avant de moi-même voir le moindre Fast and Furious, j'en ai vu un au cinéma, ça devait être le 5, tu vois. Enfin, alors que j'ai pas vu les autres, et je me souviens même plus dans quelle ville c'était. Je vois ce que tu veux dire. Du coup... Mais voilà, je vais rester sur ma première idée complètement sans aucune idée, hein, on va pas se le cacher, et je vais dire réponse C, Tokyo. Est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot, parce culot, que je dirais je tente, la voilà, comme allez. Elle dit, au culot. La bonne réponse. C'est finalement la oui, question que vous était... bien. L'ordinateur a validé votre réponse. J'ai dit Tokyo. Je ne connais pas les Fast and Furious. Bien joué, c'est la bonne réponse. Ah, parfait. 36 000 étoiles, une chance sur 4 de gagner et c'est tombé. Bravo, bien joué. Une nouvelle question va vous être proposée. Prochaine question. Quels sont les chiens de prairie ? Est-ce que c'est des rongeurs ? Des félins ? Des canidés ? Ou des insectes. C'est des petits rongeurs qui sont tout mignons et qui se tiennent comme ça. Tu as l'air très sûr. Est-ce que tu es... Est-ce que c'est ton dernier mot ? Et quand ils sont enceintes, ils sont des ventres tout ronds. Comme... C'est des grosses boules sur le dessous. Et c'est trop trop drôle. C'est le A. C'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Vous semblez être convaincu de votre très bien. Les chiens de prairie... Ensemble, la bonne réponse. ...sont... Des rongeurs, et bravo, bien joué. Eh bien, j'ai eu très 72 000 étoiles. Encore une bonne réponse, on arrive à 150. Pas de soucis, Dapan. Qui se corse dès maintenant avec cette toute nouvelle question. Quel classement a obtenu le chanteur Bilal Hassani au concours Eurovision 2019 ?
Est-ce bah, que c'est... Tu vois, là, l'appel à l'ami, j'aurais dû appeler Mary, elle saurait, celle. 16e, 2e, 20e ou 8e. Je sais qu'il était assez haut dans... En tout cas, il n'y a pas... Allez. Comment dire ? J'ai pas mal d'amis que je connais qui ont voté pour lui, qui ont espéré qu'il monte très très haut. Du coup, je dirais pas 16 ou 20. Mmh. Maintenant, je n'ai pas du tout suivi cette saison-là de l'Eurovision. Donc, vraiment répondre 2 ou 8, ça je pourrais pas dire. 2, ça me semble un peu trop haut, personnellement. J'ai l'impression que j'en aurais entendu plus parler. Peut-être à toi de te dire, peut-être est-ce que tu te souviens qu'on a dit « Ah, on a raté la première place, on est deuxième ». Enfin, tu vois, peut-être que ça te donnerait une idée, ou... Est-ce que t'as entendu « On est dans les 10 premiers » ou « Dans les 20 derniers ». J'ai rien entendu de tout ça, moi, en fait, j'ai pas, je te dis, pas suivi quoi que ce soit de l'Eurovision 2019, mm-hmm. Parce que j'avais juste pas envie cette saison-là de faire attention. J'avais regardé les saisons précédentes, hein, bien sûr, pas toutes les saisons, mais une bonne partie, mm-hmm. Mais... La 2019, je n'ai absolument pas regardé. Et. J'étais pas intéressé par ni Bilal Hassani, ni par les autres représentants de manière générale. Mm-hmm. Ça m'avait pas. Ouais. Pas tenté, Maintenant, ça se trouve, je me trompe complètement. Mais... Allez, il faut que je réponde bien pour au moins atteindre mon truc, pour dire allez, c'est bon, je me suis égalisé au moins. Après, à toi de voir si tu veux répondre à cette question. Quel classement a tenu le chanteur Bilal Hassani au concours Eurovision 2019? 16e, 2e, 20e ou 8e? Toi, tu après, t'es dit. Je reviens un peu sur ton truc en te disant que tu me l'as dit. Est-ce que t'as entendu. Oh putain, on était dans les 10 premiers, c'est quand même pas mal. Ou ah putain, on a raté à ça de la première place. Ou est-ce qu'on a fait partie des derniers. Après, c'est. C'est toi qui vois de tes souvenirs ce que t'as eu, ce que t'as entendu. J'ai pas entendu quoi que ce soit de tes phrases, tu vois, donc c'est pour ça que je me dis, je me trompe peut-être complètement en disant 8e ou 2e. 2e, maintenant, je suis quasiment sûr que non, parce que j'en aurais au moins entendu parler, parce que sur Facebook, deux fils, j'aurais été bassiné avec des millions de posts. Mm-hmm. Ah, on est deuxième, voilà, surtout avec Bilal Hassani, hein, parce qu'il fait déjà assez parler de lui sur les réseaux sociaux, ouais. De base. 8e, je pense que si, j'en aurais entendu bien plus parler, donc je crois qu'il devait être peut-être plus bas. Allez, au culot, on va dire la réponse A. 16e, est-ce que c'est ton dernier mot ? Allez, oui, on va aller comme ça là. Parce que 20, réponse c'est trop A, bas. Sans hésitation. 2, c'est trop haut. 8. Alors on va multiplier le 8 par 2, tu vois. 16, c'est bien. On va tenter. Avant de découvrir la bonne réponse, je peux te dire une chose. Mm-hmm. Au classement, avant qu'il soit final, il était classé 14e. Mais il y a eu des changements. Le chanteur Bilal Hassani au concours Eurovision de 2019. Vous n'attendez que cela. C'est votre dernier mot, mais est-ce la bonne réponse ? A été à la place numéro 16 et c'est bien joué ! C'est énorme ! C'est énorme ce changement de situation. Waouh !
J'en tremble. On dirait que je suis vraiment en studio. Quel animal ne peut pas voler? Les animaux, je suis plus calé déjà. Le pingouin, le manchot, l'hirondelle ou le macremoine? J'ai vu une vidéo de... comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Max Bird. Max Bird qui expliquait pourquoi nous, on était le seul pays, enfin, les Français, le français on était la seule langue qui appelait les pingouins le manchot. En fait, c'est parce que il existe vraiment une race qui descend du penguins, comme on appelle, comme on appelait en latin, qui sont pour nous devenus les pingouins. Mais le reste du monde a vu les manchots la première fois dans leur vie. Ils ont fait « ça ressemble à ce qu'on avait vu avant, ça ressemble aux oiseaux qui ont disparu et qui sont des pingouins ». Et du coup, ils les ont appelés tout le monde penguins, machin et tout. Mais nous, ce que nous, on voit et que tout le monde appelle pingouins, nous, en français, on les appelle les manchots, genre les manchots empereurs, les beaux grands trucs qui ressemblent, du coup, on va dire, voilà, à ceci. À ça, ouais. Voilà, ça, c'est donc pour tout le monde un penguins, mais pour nous, c'est des manchots. Et les pingouins, en réalité, du coup, savent voler, et donc c'est les manchots qui ne savent pas voler. C'est ceux-ci qui ne savent pas voler, c'est ceux-ci. Est-ce que, avec cette explication, réponse B, du coup, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Va-t-on arriver? Je suis sûr que c'est la B. Allez, on y croit. À 300 000 étoiles. Et juste derrière. C'est des trucs plus petits avec des plus grandes têtes qui sont plus moches et qui savent voler. Et derrière, ça serait la question à 1 million de dollars. De dollars, d'étoiles. La bonne réponse à cette question, quel animal ne peut pas voler? Cette phrase est mythique. Le choix est fait. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Le manchot, bravo, bien joué! Très bonne réponse. Ah, encore une chose que j'ai vu, parce que moi, pour moi, tout le monde disait le pingouin ne savent pas voler, le pingouin ne savent pas voler. Mais si, les pingouins savent voler, c'est une fausse idée reçue. Voici notre dernière question. Qui vaut 1 million. Vous êtes prêts à braver les pièges de cette prochaine question? D'étoiles. Bonne chance à vous. À quelle vitesse le manchot de l'hémisphère sud peut-il voler? Mais on vient de dire que le manchot volait pas. C'est quoi cette question? Est-ce que c'est 10 km/h, 40 km/h, 80 km/h ou il ne sait pas voler? Oh, rembourser la douille! Bah, comme je viens de dire, normalement les manchots ne savent pas voler, donc je vais répéter la réponse D. Mais c'est genre cadeau en fait, le million là. Je me sens même pas légitime. Ou alors c'est vraiment un bon troll, mais voilà, la réponse D, et c'est mon dernier mot. J'ai même pas eu le temps de te demander si c'était ton dernier mot. Mais, tu es parti très très vite, sauf que là nous parlons d'un manchot de l'hémisphère sud. Je sais pas où sont censés vivre les manchots et... Mais manchot, comme je dis, c'est seulement ceux-là, sinon on l'appelle vraiment des pingouins. Il n'y a que les pingouins qui peuvent voler. Donc pour moi, c'est la D d'office. Est-ce que nous aurons le million ce soir sur ce stream? Est-ce que Lou sera la première à avoir fait péter le million d'étoiles? Avec l'aide de Notago, l'aide de Dapan, le 50-50 et le Switch qui a été utilisé très très vite, il faut le dire. Ouais. Le Switch, ça a été très rapide. 3 ou 4ème question. La bonne réponse. Et c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. L'ordinateur a validé votre réponse. Et bien joué! Bien joué! 1 million d'étoiles! Bien joué à toi, Lou! Bien joué! Félicitations, bravo! Bravo, bien joué! Mais c'était cadeau, hein. Deux questions de suite sur le manchot, c'était cadeau, hein. Vraiment.
Moi, je te remercie. Du coup, tu m'as fait débloquer un succès Steam. J'ai gagné à la pop. Bravo. Bah, du coup, ça nous fait combien? Ça nous fait 1000 points utilisés. C'est bien, ça. Merci à toi. Bah, écoute, pour te remercier, parce que là, franchement, tu nous as fait du rêve ce soir, hein, quand même. Hein. J'ai pas envie de dire 2 tours de roue. J'ai pas envie de dire 3. On va dire 4 tours. Allez. Oh, c'est gentil. 4 tours, c'est cadeau, c'est comme ça. J'ai 4 tours. 4 tours de roue, plus 2 de notes, ça en fait 6 ce soir. Avec ma chance, je vais tomber sur 6 fois 1000, ça va être 6000 en moins. Bon, allez, c'est parti. On commence par ton premier tour de roue. Sur quoi tu vas tomber? La réponse. Sévis, tu veux jouer avec nous ce soir ou pas? Eh ben, tu vas tomber sur raté pour le premier tour de roue. Bon, c'est dommage. Allez, Sévis qui est dispo pour jouer un petit peu. Ok, pas de soucis. Ah ouais, ouais, bah c'est ce que si, j'ai eu de la chance, mais je t'ai dit, c'est parce que j'ai pris l'INSEE. Et l'INSEE. Ouais. Deuxième tour. L'INSEE, elle me facilite le truc. Hein. Deuxième tour qui tombe sur la case. Dommage. Dommage. Ah bah ça me venait bien. Là. J'ai que des dommages. Le troisième tour qui va s'arrêter sur la case. Raté. Et c'est pas fait exprès, hein. Y a pas de trucage. Hein. Le quatrième tour qui va s'arrêter sur. Quel suspense incroyable. Va-t-on faire 4 x 0? La réponse maintenant. Mais oui, ça valait la peine d'avoir 1 000 000 pour ne rien avoir du tout. Victoire. Eh ben, bien joué en tout cas, bravo. 4 tours pour ça. Ah, finesse. Est-ce que Nat, tu veux faire tes 2 tours de roue ou pas? Tu veux faire tes 2 tours de roue? Allez, vas-y. Allez, vas-y, dis. Allez, on y va, c'est parti, premier tour de roue. Et là, il va te choper une clé Steam, tu vois. Bah oui, mais c'est ça, il les chope tous, en fait. La roue s'arrête petit à petit, sûr. Une clé Steam, voilà, ça c'est fait, bien joué. Il y a une justice. Et non, on va passer tout de suite au deuxième tour de roue, mais... du coup. Je viens plus jamais me dire que t'as pas de chance, hein. Que la tour de la roue elle a pas tourné chez toi. Moi ça y est, j'ai mon boulot et c'est tout, c'est toute la chance que je peux avoir. Ah oui, il y a de l'appart. Sans le sel par ici. Bon, et tu tombes sur choisis mon jeu. Bon, là on est en train de jouer, enfin, à qui va gagner 1 000 000. Ça sera pour après. Ça sera pour le prochain stream au pire. Donc du coup, je refais tourner la roue, hein. C'est cadeau. Choisis mon jeu, c'est peut-être mis en début de stream, mais peut-être pas en fin. Alors... Et non, Lou, c'est pas fait exprès, hein. Ne t'inquiète pas. C'est magnifique, ça. Et tu sais bien que mes jeux sont les tiens, tu vois, donc y'a pas de problème. Alors je note ça, 2 clés pour Nat. T'as intérêt à choper des jeux que je peux jouer. Ah bah en tout cas c'est très très beau de moi, voir ça. Moi j'ai fait le million. Moi j'ai animé. Moi j'ai joué et moi j'ai réussi à battre mon propre record et à battre le record de tout le monde, ok. Une scène de ménage en live. Ah mais grave. Et toi tu fous rien et t'as 2 clés Steam. Toi, t'as perdu à 4000 étoiles et t'as 2 clés Steam. Ah là là, ça. Moi, je fais 250 000 étoiles et puis 1 million d'étoiles et j'ai raté. Ah ouais. 4 fois. 4 fois. Vraiment pas de chance, quoi. Vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance. Bah, du coup, Sébis, tu veux jouer avec nous une petite partie quand même? Par contre, pour moi, il va commencer à vraiment. Ouais, à vas-y, faire, pas de soucis. Que j'aille me coucher. Pas de soucis, t'inquiète. Bah, bonne soirée à toi, Lou, en tout cas.
bonne soirée. T'inquiète, bonne soirée, bisous, bisous. Le plaisir de vous participer. Voilà, là, tu vois, mon cerveau, il a commencé à s'éteindre, et du coup, le... Pas de soucis. Ah, merci à toi, en tout cas. Bravo pour ton million, en tout cas. Merci. Et je jouerai quand même au jeu. Même si j'aime pas, juste pour le principe, juste pour dire bah oui, bah du coup, c'est mon amoureux qui les a eus et je peux quand même jouer avec. Bah, bonne soirée à toi, bisous. Allez, bonne soirée. Sébis, si tu veux jouer, n'hésite pas à mettre ta cam, du coup, ça va être encore mieux comme ça. Alors, attends. Je vais demander beaucoup de choses. Mettre une cam et de jouer en même temps, c'est compliqué. Ouais, ça va être deux choses en même temps. Attention. Attends, j'arrive. Ah, y a que moi qui vois la caméra, heureusement que je l'ai coupée, hein, du coup. Parce que je viens juste de voir des choses qui se sont passées, là. Elle voulait faire deux à elle, deux à moi et deux à elle encore de nouveau. Ah là, c'est pas grave, ce qui est à moi est à toi. C'est vraiment pas de chance, hein, il faut le dire quand même, quoi. Mais tu sais que de toute façon, ce sera clippé. Hein. Si j'arrive à 1 million, non. Ça m'étonnerait, hein, moi j'ai pas eu des questions. C'est vrai que les questions en pingouin. T'as pas eu le manchot deux fois. J'ai pas eu le manchot deux fois de suite. Je te dirai ce que j'ai eu, ouais, pas de soucis. Bah, ça, au pire, tu peux regarder le replay, hein, pas de soucis, à partir de 2h33. Oh. Allez, c'est viste, je t'attends. Qu'est-ce que oh là c'est là. Bonsoir ici, bienvenue, le Sébiste. Je peux pas changer l'emplacement des personnes. Je peux pas, mince. Ça m'arrange pas. Oui, ça serait un truc comme ça, jouer Nat et moi en même temps sur le truc. Attends, du coup, je vais essayer de faire ça pour voir. Tu me fais des expressions, ça calme. C'est magnifique. Mince. Bah écoutez, du coup, bah, on va faire Sébist qui joue avec nous, du coup. Qui va nous faire le joueur. Sébist qui va faire le joueur. Nat qui va faire le... Tu veux faire quoi, Nat? Nat qui est en train de parler, du coup. Alors, yep. J'ai entendu le yep, mais je sais que t'étais en train de parler. Tu veux faire quoi, du coup? Tu veux faire le joueur, le présentateur? Enfin, j'aurais bien mis Sébist en joueur, du coup. Ouais, bah je vais présenter, si tu veux. Ah, c'est bien. Et je serai le Joker, du coup. Ah là là, ça va être très bien, ça. Ça va me faire un plaisir. Je vais essayer de faire le Iron Style, à faire douter à chaque réponse, chaque truc. Est-ce que vous y avez cru, du doute à chaque fois? Bah, moi, il y a des moments où tu fais douter, où je suis en mode... Ouais... Je vous préviens, en plus, je suis ultra nul à des trucs de culture générale. Ah bah, ça promet de pas passer le premier palier. Ça... Oh non... Quand ouais, même. Dis pas ça, je pense que tu vas passer le premier palier quand même. J'en serai capable. Tu vas passer le premier palier, en tout cas je l'espère pour toi en tout cas. Allez, du coup je vais rajouter une nouvelle scène du coup pour Nat. Si l'ordi veut bien, parce que l'ordi là il est en train de ramer, il y a trop de scènes, qui sait. Il y a trop de scènes, j'en peux plus. Il est en train de chauffer, il va faire péter le compteur. Alors hop. Donc du coup, qu'est-ce que t'as fait de beau, Sébis? Fais-nous rêver. Ah, bah... Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que t'as voyagé Ou est-ce que t'es resté chez toi? Je voyage toujours. En gardant tes distances de sécurité, bien sûr, ça n'a pas besoin de le dire. Bien sûr, à chaque fois que je vois quelqu'un, je garde des distances de sécurité, selon le quartier où je vais, n'est-ce pas? Selon le quartier où je vais. Selon le quartier, meneur. Ça promet déjà, tu vois. Ah mais c'est bien. Alors, du coup, en bas, on va faire ça. Et là, Nat, qui va avoir une belle tronche. Voilà, ça y est, la triplette est là. Ça y est, c'est bon. C'est dégueulasse. Allez, petite transition, du coup. Et là voici, voilà, vous êtes trois. C'est bienvenue. La transition. Mais Nat, bienvenue à tous et à toutes. Je suis Jean-Pierre Foucault. J'ai piqué ton logiciel, mec. Hein. Donc, qui veut gagner des millions? Quel personnage veux-tu, du coup? Même si on va pas le voir beaucoup parce qu'il y a notre tête dessus. Voilà. Margaret, Pablo, Chouan. Je prends la mamie.
Ah, la mamie, ok, margarine, du coup. Vous me faites faire de ces choses-là, j'étais pas prêt. Je lui parlais dans l'ancienne, dans l'ancien temps, moi les manchots, ils savaient voler. Ah, la grosse Bertha qu'on les envoyait chez l'ennemi. Voici. Oh, pardon, c'est vrai, je n'étais pas allemand. Et bah du coup, Nat qui fait la présentation, Sévist qui est notre joueur ce soir. Je suis le Joker de Sévist, le Joker du public. Hein, je remplacerai le coup de fil. Et le public, alors est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui est disponible ce soir pour aider Sévist? N'hésitez pas à vous manifester maintenant. Je me retrouve tout seul. Sinon, tu auras droit au vrai Joker. Du public, je sens que celui-là va être épique. Après, tu peux très bien appeler pour de vrai aussi, c'est possible. Ah ouais, si c'est difficile. Si t'as vraiment quelqu'un à appeler à minuit 3, y a pas de souci. Alors, s'il faut, je peux appeler. S'il faut, j'appellerai une amie, j'appellerai pas mes proprios évidemment. Bah écoute. Parce que j'ai pas trop envie de me retrouver à la rue. Alors, Spicy qui est à moitié inactif, mais ça veut dire que t'es là quand même. Donc tu peux retenter du coup ta chance, mon cher Spicy, au pire. T'auras deux tours de roue si tu donnes la bonne réponse. Attends. Pourquoi pas. Et puis, Sévist, hein, comme tu joues avec nous ce soir, avec nous en direct, t'auras le droit de deux tours de roue toi aussi. Hein. N'empêche. Ouais, oui. J'ai choisi la vieille. Regardez son âge. 69. Eh oui, ben, on voit pas sur le stream, mais il y a 69 ans. Eh, maquet. Il a trouvé le bon personnage. Ok, j'ai quelqu'un du coup pour le public s'il faut. Allez, bon, il y a même Spicy aussi qui se propose. Enfin, au pire, ouais. On fera un petit mix de tout ça. Allez, on y va parce que ça sera pour moi la dernière game. Hein, parce qu'après, je vais aller faire dodo quand même. Je vous souhaite bonne chance. Je vous laisse. C'est bien pour la petite dernière. Je vais rester tranquille dans mon coin. C'est bien ça. Allez, bonne chance en tout cas à vous. Nat, l'antenne est à toi. Le stream d'Iron est à toi. Voilà. Cadeau. Parfait. On essaye de pas dire trop de conneries quand même, hein? Ouais. Non, venant de moi, t'es sérieux, mec? Tu nous connais. C'est juste mon seul problème, il nous connaît. Bienvenue, bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Chagas. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Qui veut gagner du pognon? Qui veut gagner du pognon? Tu vas valider 1 million. Et salut tueur. J'espère que tu vas bien, on est en pleine partie, on commence notre qui veut gagner des millions ce soir. Et toi du coup, qu'est-ce que ça fait de beau? Qui veut gagner un maximum de pognon? Et je suis accompagné de Sévist. Si ça ne suffit culture pas générale gagner, en actif, je ne sais pas si ce qu'il faut. Pas gagner, je ne sais pas ce qu'il faut. Jouons que ensemble tu parles à Sévist, qui veut gagner des millions générale. Sévist, bon, êtes-vous prêt? Le principe de la pyramide des gains. Évidemment, pyramide des gains, de pyramide, les jokers, le 50-50, l'appel à un ami, le vote du pour vous public aider, et vous le de 4 jokers. L'appel à un ami. Je ne connais pas de votre portugais. Le 50-50, l'avis du public. Je peux pas faire l'appel à un ami. Ouais. Bonne chance. Je vais prendre la chute de cette blague. Quel sport ne se joue pas avec un ballon? Le football, le handball, le basketball ou le golf? Grande partisane de golf, moi je dirais la réponse D. Hein. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah, c'est mon ultime bafouille. C'est la D, je pense. C'est validé pour le golf. C'est votre dernier mot, mais est-ce la bonne réponse? Il est vrai que les balles indiquaient les réponses, et c'est une bonne réponse. C'est la théorie des balls. Non, mais là, franchement, faut pas me faire ce genre de frayeur, hein. En tout cas, j'espère que ta session s'est bien terminée. Laquelle de ces propositions n'est pas une unité de mesure, de longueur? Le mètre, le pied, le pouce ou l'orteil? Là, on est en train de s'amuser sur qui veut gagner des millions. Franchement, je kiffe. Bah, si, mais un coup, Jean-Pierre, je dirais la réponse D. L'oreille. Réponse D, est-ce votre dernier mot? L'oreille.
Alors on va dire la D. Et mon... Ma caméra sur le stream est buggée, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas grave. L'oreille... Et là... Cette phrase est mythique. Le choix est oui, fait. Oui, c'est mon dernier mot. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Ah bah oui, la caméra de Nat est bien buggée, oui. Prenez un mais c'est la bonne réponse. Ah, je sens qu'on va... Je sens qu'on va perdre Nat dans quelques instants. J'ai toujours c'est un lag de caméra. C'était là encore de la ressource, la Margaret, hein. Vous voyez. Eh ben non. Oh là là, la petite vieille, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord. Quel vaisseau sanguin ramène le sang au cœur? Les nerfs, les intestins, les veines ou les reins? Pas de soucis. La réponse c'est les veines. Pas de soucis, tueur. En tout cas, bonne soirée à toi. Merci d'être passé en tout cas. Veines, est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, ça a été validé. La validation était faite directement. Non mais les gars, je dois appuyer sur espace pour valider, donc tu peux demander si c'est ton dernier mot en fait, hein. T'inquiète. Hein. Tu peux. Est-ce que c'est ton dernier mot? Bah oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre. De toute façon, j'ai ma YOLO. C'est votre dernier mot. Jean-Pierre Fougas. Vous avez dit votre dernier mot. Du coup, j'ai toujours ma cam qui est bloquée sur le stream. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Du coup, je me vois en arrêt sur image. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Il veut commander. J'ai la pêche, physique et mentale, la preuve. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question? Comment se nomme le héros du premier film Angry Birds? Red, bleu, jaune ou vert? Réponse A, red. Est-ce que c'est votre ultime bafouille? La réponse A me semble très convenable. Vous n'attendez que cela. L'ordinateur qui a failli valider bleu. L'ordinateur a validé votre réponse. Je ne m'y attendais pas, mais c'était la bonne réponse. Félicitations. Tandis que nous, dans le chat, on nous fait cette excellente blague du Red Shadow Legend. Merci. Il est temps de passer à une nouvelle question. Quelle est la durée d'une mi-temps au football sans compter les arrêts de jeu? Est-ce que petit A, c'est 35 minutes? Est-ce que petit B, c'est 45 minutes? Est-ce que petit C, c'est 55 minutes? Ou est-ce que c'est petit D, c'est 1 heure? J'aime pas le football. Je déteste ça. Je savais que j'allais avoir une question foot. Je vais dire 35 minutes. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon ultime bafouille. Quelle est la durée d'une mi-temps football sans compter les arrêts de jeu? Le footballeur, c'est vite. Réponse du 35. Cette phrase est mythique. Le suspense est intenable. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que la carrière d'un si grand joueur va s'arrêter là? Et effectivement, c'était 45 minutes. Quel dommage, vous étiez pourtant si motivé. Je l'ai dit, c'est sur une question football que ça une prochaine la fois, merde. Peut-être. Bah oui, mais tu peux faire appel à un ami. Est-ce qu'on aurait le temps de leur faire une petite? Je l'avais dit, pas un palier. Pourquoi t'as pas fait l'appel à un ami? Il y avait l'appel à un ami, c'est moi, j'aurais dû lui dire qu'il y avait encore 7 jokers. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une petite? Oui, enfin pour moi oui. Allez, pour moi oui. Je vais juste aller dans la boutique avant et dire d'ailleurs à notre ami Séviste que regarde ce qu'on peut débloquer. Ah oui. Pour 4000, hein. Bon, pour 4000, on est à 1900. Mais pourquoi donc, pas 1 million, c'est 500, c'est ça, si je me trompe pas? C'est 1 million, c'est 1000. Ah ouais, putain. Et il t'en faudra d'un million quand même, hein, parce que... Et ça. Le jour où t'as des Star Wars, je suis preneur. Ah bah t'inquiète, hein, dès que j'ai les 4000, je débloque ça et on fera une bonne soirée sur ça, je pense. Allez, du coup, tu rejoues avec ma carrette? Oh, toi qui vois. Ok. Le personnage m'importe peu. Allez, et bah, on change pas une équipe qui gagne. Nat, je te laisse présenter. C'est vite. Ah, peut-être pour cette deuxième tentative, ici 45 minutes d'arrêt de jeu qui a été fatal pour le joueur, c'est vite. Va-t-il le pouvoir performer sur cette épreuve? C'est ce que la France entière se demande actuellement. Peut-être un petit slash prediction. Sur allez. Le premier palier. Yeah.
Et bonne soirée, bonne soirée, bonne jour à tous. Ici Jean-Pierre Fougas pour cette nouvelle tentative. Je le rappelle ici, la tentative s'est égrenée au bout de 2-3 questions sur le foot. Qui veut gagner des millions ? Allez, le foot là. La question fatale du football. Plus de 60 ans de culture générale à mon actif. Si ça ne suffit pas à gagner, je ne sais pas ce qu'il faut. 60 ans de culture générale. Bonsoir à toutes et à tous. Et surtout à notre nouveau participant pour qui veut gagner des millions. Margaret, qui a établi ses locaux. La pyramide des gains. Qui veut gagner des millions pour pouvoir repasser le million. Un nombre incalculable de fois. Évidemment, on rappelle, c'est Joker qui peut être utilisé à tout moment. Vous disposez de 4 jokers. À tout moment. Même pour la première question, il n'y a aucun mal. Le 50-50. L'appel à un ami. L'appel à Spazik. Il est temps de passer à une nouvelle question. Le Switch. Lequel de ces personnages n'est pas un héros des films Cars ? A. Flash McQueen. B. Martin. C. Sally. D. Dumbo. Réponse D, Dumbo. C'est votre dernier mot. Mettons-nous ouais. D'accord. C'est mon dernier mot. Vous avez fait. Ah, ça va être directif, choix. Attention. Dumbo. Bonne réponse, oui. Ah, la bonne réponse. Pas d'encombre, pas d'hésitation pour cette première question. Pour le moment, on touche du bois, tout se passe bien. Au 3e siècle avant JC, quand il a franchi les Alpes pour affronter les Romains, de quoi Hannibal était-il accompagné ? A. De chiens. B. De taureaux. C. D'éléphants. D. De dinosaures. On lit une grosse réflexion de la part du joueur séviste. Au 3e siècle avant Jean-Claude Van Damme, quand il a franchi les Alpes pour affronter les Romains, de quoi Hannibal était-il accompagné ? De chiens, de taureaux, d'éléphants et de dinosaures ? La réponse C. Tu prends le 50-50. Tu prends le 50-50. Ordinateur. Mais nous enlever deux mauvaises réponses. Nous allons retirer deux mauvaises réponses dès maintenant. Réponse. Rappelle que cette première prédiction, séviste passe-t-il le premier palier ? Non à 39%, oui à 61%. Va-t-il les faire mentir ici, sur ce chat d'Iron Iridium ? J'en sais rien, moi, ça le truc, ça m'énerve. Petit A, des chiens. Petit C, des éléphants. Qu'est-ce qui deviendrait à l'esprit directement là, tout de suite ? Tu vois Hannibal ? Je dirais des chiens, mais ça serait étonnant. Parce que moi Hannibal... Je vous rappelle que moi Hannibal, avez... c'est Hannibal Lecter, hein. J'ai jamais vu Hannibal quoi que ce soit. Je vous rappelle qu'il vous reste encore l'appel à un ami, le Switch et le vote du public. Oh, j'ai dit réponse A, des chiens, tant pis, de toute façon. C'est votre dernier mot. Ouais. Je choisis la réponse A. Et ce sera votre dernier mot ? C'est votre oui, dernier c'est mot, mon dernier mais mot. Est-ce la bonne réponse ? Quand il a franchi les Alpes pour affronter les Romains, de quoi Hannibal était-il accompagné ? C'était l'éléphant. Je sais même pas d'où vient Hannibal. Pour moi, Hannibal, c'est Hannibal Lecter. Sincèrement, je n'ai pas bien joué. Voilà, j'avais prévenu comme quoi j'ai pas de culture G. Dommage. Et bah bravo à ceux qui ont répondu non. Il ne passera pas le premier palier. Ah là là. Vous me faites kiffer quoi. La prochaine fois je joue sur mon propre stream. Sur mon propre stream. je mets. Oula, j'entends plus rien. Ah. Le petit 12. Ah si, c'est bon. Bah c'est dommage parce que Spicy qui avait la réponse en plus. Mais je ne regarde pas le live, on s'est triché. Après n'hésite pas à utiliser des jokers. Est-ce que tu veux une troisième chance ? Vas-y, ridiculise-moi jusqu'au bout. Bah non, mais je te pose la question. Bah vas-y. Allez,
C'est parti, on y va. Pourtant, c'est difficile. Si tu veux, pour enfoncer le clou, c'est difficulté enfant. Mais. Difficulté enfant qui est juste pour le temps. Hein. Voilà. Allez, je vous passe toutes les musiques et tout ça. Tout de suite, la première question. Qu'est-ce qu'un orgue de barbarie? Un animal, un instrument de musique, un fruit ou un monstre de mythologie? Un instrument de musique. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est la réponse B. Ouais. Je me dois de vous le demander. Mot. Vous avez dit votre dernier mot. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Voilà une bonne réponse. Voilà, c'était le mime d'un orgue de barbarie très mal fait. C'est magnifique. Votre nouvelle question est prête. Bonne chance. Comment s'appelle le Netflix de Disney sorti en avril 2020? Disney Plus, Disney Channel, Disney XD ou Disney Flix? Disney Michel. Oh, Disney Plus. Disney Plus. Réponse A. Faites avec cette série. Allez, c'est parti pour la A. Disney XD, j'ai juste appris que plus tard que t'avais le symbole XD, que c'était simplement l'émote. C'était pas simplement pour le coup des ados, c'était vraiment une émote derrière. Est-ce que c'est votre dernier mot? Avec cette série de Mandalorian, si je ne me trompe pas, sur Disney Plus. Fini la saison 2, attends, la saison 3 l'année prochaine. C'est la bonne réponse. Qui a fini sur un cliffhanger total. Un mois de plus pour Bibi. Bonne chance à vous pour cette nouvelle. Vas-y Bibi. Comment se nomme un vélo pour deux personnes? Un duocycle, un tricycle, pardon, un tandem ou un duodème? Bah, dire la réponse C, un tandem. Un tandem, c'est votre dernier mot. Ouais, c'est mon ultime bafouille. C'est la C. C'est ton ultime bafouille. C'est mon dernier mot. Comment se nomme un vélo pour deux personnes? La réponse en tandem, c'est la bonne réponse. Pour le moment, une facilité déconcertante. Faites-vous confiance à vous et vos connaissances pour cette nouvelle question. Corsons un petit peu le défi avec cette nouvelle question. Lequel de ces animaux n'est pas un félin? Le tigre, le chat, le chien et le lynx? Très corsé comme question. La réponse c'est le chien. Alors là, le chien. On y va pour la C. Allez. Deux fois la réponse. Allez, on y va pour la C. Deux questions différentes. Le chien est. Il fallait faire un choix. Oui. Vous avez dit votre dernier mot. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Les émissions n'ont même pas le temps de se faire. Et voilà. Allez, bonne réponse pour vous. La bonne réponse. Bah, 500 étoiles pour le moment. Et c'est parti pour une toute nouvelle question. Combien y a-t-il de livres dans la saga Hunger Games? A1, B2, C3, D4. Je rappelle que vous avez les jokers, le 50-50, l'appel à un ami. Oh, les trois. Vous pouvez utiliser vos jokers, je tiens à te le rappeler, pour peut-être passer ce premier palier. Le switch alors. Le switch. Je demande du coup à l'ordinateur de changer la question. Vous seriez parti sur quelle réponse? Switchons la question dès maintenant. On est parti sur 3. En espérant que la nouvelle portera chance. Tu vas voir que si c'est comme par hasard, c'est le 3, ça va être le bon. Voilà. Et c'était effectivement votre la 3. Votre nouvelle question est prête. Bonne chance. Que mange principalement le hérisson? De la viande, de l'herbe, des insectes, des bonbons? Je tiens à dire pour le chat que effectivement le dernier Hunger Games est en deux parties, mais il s'agit des films et non pas des livres. Réponse C, les insectes. Réponse C, des insectes. N'oubliez pas que les jokers sont toujours à votre disposition. Voilà, même si je fais ça, j'ai plus de joker au bout de trois questions. Hein. Est-ce que c'est votre dernier mot? Mon ultime bafouille. C'est ton ultime bafouille. C'est votre dernier, c'est mot. Dernier mot. Le choix est fait. Se tripote la barbe actuellement sur notre stream. C'est Séviste accompagné
de l'excellent Aeron Iridium. Et c'est la bonne réponse pour ce premier palier. Au bout de trois. Bravo. Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre. Quel est l'infinitif du verbe dans cette phrase ? Je ne fais que des bêtises. A, bêtise. B, faire. C, que. D, je. Voilà. Réponse B, faire. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ah ouais, non, réponse B, sans hésitation. Là. Êtes-vous comme son avatar, c'est sans hésitation que nous a donné cette réponse. B. Prenez un minimum de risque. Bien entendu, la bonne réponse. C'est ça. C'est une bonne réponse, bravo. Ah non, mais c'était impossible. J'ai mes filles, il arrivera bientôt. Il a mis l'étoile, n'est-ce pas ? De des circonstances la différentes à cette nouvelle actuellement. Question n'attend désormais plus que vous. Quel est le prénom du célèbre streamer américain déjà, n'est-ce pas ? Et Zach, mais Tiller, c'est Neil là... ou des Jack ? Ça fait l'appel à un ami. Vous décidez d'appeler un ami, n'est-ce pas ? Ici, en la présence de Aeron Iridium, n'est-ce pas ? Oui, c'est Aeron qui c'est du coup aura 30 secondes top chrono pour répondre à cette question. Vous devez donc, je rappelle, lui citer l'intitulé de la question en entier, à savoir quel est le prénom du célèbre streamer américain Ninja. Vous disposez de ces 30 secondes, au-delà de ces 30 secondes, il ne pourra plus parler. Oh. Aeron Iridium, vous me recevez, vous êtes ici en direct de Paris. Je vous reçois 5 sur 5, oui. Je vous passe du coup notre ami Civiste. Et le chrono se lance maintenant. Ok Aeron, quel est le prénom du célèbre streamer américain Ninja ? A, Zach, B, Tyler, C, Neil et D, Jack. Tyler. Sans hésitation ? 3 milliards de pourcents. Ok, merci. De rien, bisous. Bisous. À 14 secondes de la fin, il nous a donné sa réponse sans hésitation. Je vous rappelle que il vous reste encore un joker. Non, je prends la réponse B. La réponse B, Tyler. Mon ami Iron. Je vais choisir la réponse B. Avec une petite hésitation palpable du côté de l'ordinateur ici. C'est votre dernier mot. Validons la réponse B. Tyler. Est-ce que c'est ce votre dernier mot ? Vous avez fait votre choix. Alors la réponse, quel est le prénom du célèbre streamer américain Ninja ? Et c'est bien entendu Tyler. C'est la bonne réponse. Mais c'est qui le Ninja ? Bah évidemment que c'était la bonne réponse. Est un célèbre streamer Fortnite. C'est bien ça. Maintenant que vous avez relâché la pression. Qui est né en 91. Quel verbe appartient au premier groupe ? Partir, câliner, être ou poursuivre ? Réponse B, câliner. Est-ce que c'est votre B. dernier mot ? Ouais. Câliner. Je me dois de vous le demander. Ouais. Vous c'est avez dit dernier votre dernier mot ? Partir. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. C'était pas la bonne réponse. Poursuivre non plus. En voilà une et c'est bien entendu câliner. Ah non, mais c'était impossible que je ne réponde pas à cette question. C'était impossible que je ne réponde pas à cette question. Excusez-moi, petit Roland Belge qui ressort. Quel animal appelle-t-on parfois la bête à bon Dieu ? A. La coccinelle. B. La fourmi. C. La mouche. Ou D. La libellule. Bon, je sais pas trop là. Quel animal appelle-t-on parfois la bête à bon Dieu ? A. La coccinelle. B. La fourmi. C. La mouche. D. La libellule. Je vous rappelle qu'il reste. C'est rien du tout. L'appel à Spazik
Et éventuellement, peut-être, un petit joker supplémentaire pour vous aider. L'appel au répertoire de Nat. Il est possible que quelqu'un réponde à cet appel. C'est pas dit que je crois en toi. Je ne sais pas. Ça me fait beaucoup trop de jokers comparé à ce qu'il y a d'habitude là. Foutez de ma gueule. Je sais que je suis nul, mais quand même, pas besoin de passer. C'est un cadeau. Bon. Quel animal appelle-t-on parfois ? La bête à bon Dieu. Je rappelle qu'il vous reste encore deux jokers. Dont un cadeau. Ouais, on sait jamais, Spizik. Peut-être qu'on aura besoin de toi sur cette question. Spizik, qui se tient dans les starting blocks au cas où on a besoin de lui. Tandis que le joueur s'éviste, se tâte et réfléchit au bon déroulé de cette question. J'hésite à prendre un joke. Il reste le 50-50. Je n'avais pas vu, autant pour moi. Que la partie était très rapide, il reste le 50-50. L'appel à un ami ayant été effectué. Quel animal appelle-t-on parfois la bête à mon Dieu ? La bête à bon Dieu. Je sens. Non, je vais rester sur la coccinelle. Je suis mon instinct. Un ami séviste. Et je vais dire. Qui est parti la sur réponse. La coccinelle, tandis que Spizik pensait avoir la réponse. Validation de cette réponse à. Je vous rappelle qu'il vous reste encore 3 jokers. Êtes-vous sûr c'est que c'est votre dernier? Vous avez fait votre choix. À la question quel animal appelle-t-on parfois la bête ? Ah mon Dieu, la coccinelle ! Et un point de plus pour Bibi ! Il est bien, il n'en vaut pas partout. Vous êtes prêts la à bête à bon Dieu qui est le nom vernaculaire question. Donné à la coccinelle. Combien de trous peut-on compter au maximum un parcours de golf ? A6, B9. C'est 18 ou D22. Je dirais la réponse C, 18. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser vos 3 jokers. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr de cette réponse, mon cher Séviste? Moi je me souviens que des compétitions avec des 18 trous. Je peux vous dire que ça en fait. Selon ces mots, il ne se souvient que des compétitions à 18 trous. Prenez-le comme vous le voulez, c'est cadeau. Ça sera bien entendu clippé sur la chaîne d'Iron Iridium. Est-ce que c'est votre dernier mot, Jean Séviste? Exactement. J'ai rien entendu. J'ai dit oui. Validation de et cette réponse. C'est le moment de se combien remettre en de question. Trous oh là là, quel peut-on suspense. Compter au maximum un parcours de golf? Quoi qu'il arrive, vous ne repartirez et pas. C'est la bonne réponse. Bien joué, bien joué. C'est Wist ici qui a une tête, mais si joyeuse et expressive. Soulignez bien le. Je vais faire un jeu de réflexion. Avec cette nouvelle question. Oh putain. Combien de joueurs se compose une équipe de volleyball ? A8, B6, C4, ou D, les manchots ne savent pas voler. Ou D3, pardon. Je dirais que les manchots savent pas voler, hein. Ça aide beaucoup. Je sens une pointe de seum. Ouais. De sel. Je vous rappelle qu'il vous reste 3 jokers pour grinder un maximum de paliers. Et on me dit dans l'oreillette que Spizik aurait la réponse. 50-50 ordinateur, voulez-vous bien me retirer? Je garde le Spizik qui est un atout formidable. Deux mauvaises réponses. Vous avez choisi d'utiliser le 50-50. Nous allons retirer 2 mauvaises réponses. Six
ou 4. 36. Je vous rappelle qu'il vous reste deux jokers. B. C'est extrêmement lourd, putain. C'est quelque chose. Vous n'êtes pas sûr de cette réponse? On ne sait pas. Peut-être c'est 4, peut-être c'est 6. On ne sait pas. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, je valide. Iron qui s'est Êtes-vous mute. Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot? Vous avez fait votre choix. L'ordinateur actuellement qui s'est mute pour éviter de donner évidemment la bonne réponse qui était 6. Très bien. 36 000. Encore une bonne réponse étoiles pour le moment. La partie est bien prochaine lancée, question. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Combien de Voici pays une nouvelle question. Compose l'Union européenne? A 26, B 27, C 28 ou D 29. Rappelle que 26. Pour le moment, notre joueur n'a que des réponses numérotatives. Très difficile. À quand celle sur le foot? À quand celle sur le foot, évidemment. 26, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean Nagato. Non, mais c'est sûr, c'est la réponse. Jean Nagato. Jean Nagato, Jean Bird. C'est mythique. Très bien. Combien de pays la bonne réponse? L'Union européenne. C'est triste. Et c'était 27. Ce n'est pas la bonne réponse à cette question. Mais l'Angleterre, c'était pas cette année qu'il devait se barrer comme ça, sans prévenir? Oh bah mince. C'était un si beau démarrage. Il y a 27 pays. Malheureusement, la pyramide Allemagne, des gains aura Autriche, eu raison de vous. Belgique, mais Bulgarie, Chypre, Croatie, bravo. Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal. C'est extrêmement long et très chiant. Danemark, Finlande, France. Et effectivement, le Royaume-Uni n'en fait plus partie. En tout cas, sorti de l'Union européenne. On disait déjà depuis un moment que c'était la réunion des 27. Enfin, on n'a jamais dit la réunion des 28. Et malheureusement. Bah en tout cas, merci d'être passé, les gars. Ça m'a fait plaisir. Pas de soucis. Quand tu veux. Pas de soucis. J'espère que vous avez tous et toutes kiffé. Bah écoute, merci au chat aussi d'avoir été si réactif. C'est cool dans quelque chose d'aussi interactif d'avoir des gens qui sont des terres de ouf. Merci Spacey, merci Tapan. Merci Tatan, merci Fume sec, bien évidemment, merci tout le monde. Petit récap, hein, du coup, une clé pour Fume sec, une clé pour Spicezik, deux clés pour Nat, moins 2000 points sur le défi et les deux tours de roue. Pour ma gueule. Les deux tours de roue. Va-t-il y avoir des tours de roue? Du coup, pour Sébiste, on va les faire. Et bien oui, Spicezik aussi qui a eu la boule noire, qui n'a rien eu. Allez. Regardons eux aussi, c'est pas dit que tu as une clé, toi, c'est vrai. Pourquoi tu mets la boule noire, du coup? C'est, je pense, pour la... La réponse de Sev. Ok. Alors, premier tour de roue, du coup, pour toi, Sev. Regardons direct, du coup. Qui est... Dommage. Ah, je les ai perdus. Être là? Non, on est là. Hein? Regarde. Ouais, j'ai eu peur, je me suis dit, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Rage quit. Ça y est, ils sont plus là. Et deuxième. Pour la peine, hop, 250 points en plus. Ça, c'est une tour de roue, ouais, c'est très gentil. Deuxième tour de roue, du coup. Est-ce qu'il s'arrête sur. Magnifique case. Il a raté. Raté. Voilà. Bon, bah, deux tours de roue pour rien. Bon bah en tout cas, moi je vous dis à bientôt, demain pas de stream en tout cas, vous le savez, donc le cuvré, c'est vrai que normalement c'est le mercredi, et ben ça sera que dimanche cette semaine, et vos points seront doublés du coup dimanche, donc soyez au rendez-vous dès 21h15, voilà, vous savez tout. Moi je vous dis bonne fête en tout cas d'avance, pour ceux que si on doit plus entre deux, le
24 au soir, bah, il y aura, pense pas, de stream hein, aussi. On verra ça, je vous tiendrai informé. Je vous fais de gros bisous sur le stream, je vous fais un petit raid en attendant. Et puis, bah, moi je vous dis à bientôt, Nat, à bientôt, Sébiste. Bisous, bisous. Des bisous, joyeux Noël. Et bonne année, Happy New Year. Merry Christmas. Happy fucking New Year. I need to hold on to me. Shining tears in the atmosphere. Hey! I'm staying alive through a lot I have to fear. We are breaking these walls as we come and disappear. Hey! I'm staying alive through a lot I have to fear. We are breaking these walls to come and disappear. Et le raid qui arrive pour vous faire des points supplémentaires de chaîne. We are breaking.